Passage moteur numéro 1, c'est fait? C'est fait. Volscott Air 1512, maintenez le cap 180. On va arrière. Assure-toi qu'ils savent que nous sommes en emergency. Je tourne en finale pour une approche à vue immédiate en piste 32. Approche vol 1512, sommes en emergency. Donnez-nous immédiatement un cap pour une finale à vue piste 32, gauche. Négatif, 1512, continue au cap actuel, on va arrière. Non, j'annule l'IFR et je me présente en urgence. Je tourne à droite, dégagez la piste 32. Tu vas le faire déjanter. J'ai peur qu'il lâche, un moteur qui déconne, une fuite hydraulique et toi tu me parles de le faire déjanter. Tour de contrôle, vol 1512 en emergency. Atterrissons piste 32, gauche. Train sur checklist d'atterrissage, 15 degrés de volet. 1512, camion sur la piste. Un camion sur la piste. Tu veux rentrer le train? Négatif, j'atterris, dis-lui. Tu plaisantes? Dis-lui. Décolle pas, Scotty. Tour de contrôle, vol 1512. On fait une baïonnette sur le taxiway. Répétez 1512. Non, je me pose sur la droite. Tu rigoles, on n'aura pas le temps de s'arrêter. Connexion hydraulique ouverte. Tu as les freins. Qu'est-ce que tu veux? Je fais mon boulot. L'ingénieur William est demandé de vous s'arrêter. L'ingénieur William est demandé de vous s'arrêter. T'as bien percuté, Jerry. Sans toi, on ne s'arrêtait pas. Où avez-vous trouvé cette solution, Nash? Et vous, la procédure d'atterrissage? Vous n'avez pas suivi les instructions, vous avez improvisé votre... Ah, du camion sur la piste, c'est un peu dépassé, non? C'est le plus vieux piège des instructeurs. Nash, vous savez que je pourrais vous interdire de vol? Écoutez, l'avion est au sol, les passagers et l'équipage sont vivants, le café est encore chaud. Vous allez m'interdire de vol? Veuillez réfléchir. Alors, merci. Reçu. C'est bien ce qui m'ennuie, oui. Yahoo. Monsieur Chatillon, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Aujourd'hui, le monde dépend de la technologie. Cette arme peut détruire n'importe quel peuple ou nation belligérante. C'est ça, le pouvoir. Le pouvoir est pour les géants. Mais je ne vois aucun géant dans cette pièce. Et tout ça, c'est du baratin, Henry. Allez, salut les amis, à demain. À demain. Bonne soirée. Salut. Ouais. Oh, j'oubliais, les gars. Je voulais vous montrer quelque chose. C'est là, juste une seconde. Messieurs, la voici. Arrête, c'est un 737. Eh oui. Je connais pas le propriétaire de 737. Celui-ci est unique, et je dirais même exceptionnel. C'est le seul 737 qui sera piloté par un équipage de 727. Il est pour toi, Jerry. Pour moi? Vraiment à toi? À moi et à la banque. Enfin, à plusieurs banques. Tu croyais que je racontais des bobards là-dessus? Bah, t'aurais pu. Eh ben non. Et maintenant, c'est fait. Et ça? Ça, c'est juste notre premier contrat avec l'État. Mais tu blagues? Il est signé? Dans 3 semaines, je charge du matériel de recherche à Miami pour la NERA. C'est quoi la NERA? C'est quoi la NERA? Recherche environnementale pour le gouvernement. On s'en fout qui c'est du moment qu'il paye. Alors? Qu'est-ce que vous décidez? Vous volez avec moi ou pas? Si la TWA ne veut pas de moi. Parce que tu crois qu'elle veut de toi. Non mais dis donc. Jerry. Je crois, oui. Je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, je crois? Je ne vole pas sans toi. Toi, tu as le bahut. Moi, je peux bosser dessus. Sur la Scott Air. Ah, oui, la Scott Air. La Scott Air. La Scott Air. Vos données sont dangereusement imparfaites. Faux, archi faux. Vous savez pas les interpréter. Pouvez-vous imaginer le chaos total? Notre société tellement affaiblie qu'elle ne pourrait se nourrir elle-même. Se défendre ou communiquer avec les autres sociétés. Tellement isolée, incapable de sortir du grand trou noir. Oui, monsieur Shapiro, c'est ça le projet Médusa.
Allez, venez, suivez le guide. Et chapeau hein, pour le financement des 6 mois de mission que t'as trouvé. Bon boulot. Ça a été long, 6 mois. Et tu crois que cet article aura changé ou pas? Non, tu connais pas le point. On va lui faire renvoyer. Écoutez, je suis très fière de vous. On a travaillé dur et vous allez... Oh, toi aussi. Tu vas nous manquer. Je vais revenir aux États-Unis. Oui, USA, 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 USA. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Scientifique de renommée mondiale, mais incapable d'ouvrir une porte. Vous avez fait une erreur catastrophique en réduisant Médusa au silence. Elle sera frappée à votre bon souvenir, mais vous ne saurez ni quand ni où. Et elle pourrait bien être quelque chose que vous ne reconnaîtriez même pas. Et ce sera l'apocalypse. Aucun humain ne survivra. Tu parleras de tes vacances après. Attends, j'allume. Mais je vais bien. Je sais, j'en ai juste pour une seconde. Tu vas adorer ça, tu vas voir. Et on ne sera pas en retard pour le restaurant, je te promets. Ça pourrait te changer la vie. Regarde. C'est ça. Cet appareil est une mini-unité vidéo pour des réunions ou des entretiens. Regarde bien. Décroche. Allô? Attention chérie, je te vois. C'est génial. Qu'est-ce que t'en dis? Incroyable, non? Ah oui, c'est incroyable. Tu peux aussi programmer un message enregistré. Par exemple, t'appelles, je suis pas à la maison, mais je t'ai laissé un message. Tu entres un code et la cassette démarre. Vas-y, tape 5-9. Je voulais te demander une chose depuis quelque temps, mais j'en ai pas encore eu l'occasion. Tu te souviens quand on jouait à ce jeu un peu bête des couleurs? Tu sais, quand on essaie de donner une couleur à la vie des gens, je disais que la mienne était le bleu ciel. Et je me souviens que toi, tu disais que tu cherchais encore la tienne. Alors, je me suis demandé si tu la cherchais encore, si tu aimerais partager la mienne. Tu aimes le bleu, je crois. Tu veux m'épouser? Dean. Alors, tu... Oui. T'en es sûr? J'en suis sûr. Le condor va s'en occuper. C'est peut-être une urgence. Ouais, c'est une urgence, encore un portable qui est tombé par terre. Oui, Cooper Electronics. Bonjour, Dean. Et bienvenue par chez vous. J'ai pensé qu'elle pouvait être avec vous. À mon bureau? Oui, ça ne répondait pas non plus chez elle. Je peux lui parler, s'il vous plaît? C'est Rogers. Qui appelle comme d'habitude au bon moment. Qu'est-ce qu'il veut? Demande-lui. Allô? Comment vas-tu, Viviane? Ne me cherche pas partout pour me demander comment je vais, Rogers. Qu'est-ce que tu veux?
Tu n'as jamais pensé que je pouvais avoir envie de m'excuser? Non, je n'y ai jamais pensé. C'est normal, je comprends. Je voudrais te montrer quelque chose avant qu'il soit trop tard. Ça veut dire quoi, avant qu'il soit trop tard? Je suis malade, Vivian. Il faut que je te voie. Non, Rogers, c'est absolument hors de question. Rien que quelques minutes. Je sais que tu n'as aucune raison de venir, mais je voudrais... Il faut que je te voie, encore une fois. Je t'en supplie. Ça ne t'engage à rien. Je t'en supplie. C'est important. Rogers. Bon, alors je passe te voir. Qu'est-ce qu'il a encore? Il est malade. Il a besoin que je passe le voir chez lui. Non, non, non! Il a l'air plein de bonne volonté. Je crois qu'il a renoncé. Reconnais qu'il ne m'a pas ennuyé depuis très longtemps. Viviane, ce n'est pas de la bonne volonté. C'est l'interdiction faite par le juge de devoir qui l'étouffe. Non, je crois que Rogers ne pense plus à ça. Oh, que si, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais facilement sa proie. Laisse-le dans son coin. Qu'est-ce qu'il reste entre vous? Tu ne lui dois rien. 10 ans de vie commune. Viviane, écoute-moi. Il est cinglé, je te dis. Non, il est en avance sur les autres. Il ne faut pas confondre les deux. Il a perdu tout ce qu'il avait dans la vie. Et il est malade. Il va te faire du mal, pense à ton cœur. Arrête, je suis venue au monde avec des problèmes cardiaques. Ce n'était pas de sa faute. Et j'ai un pacemaker maintenant. Dis, je vais bien. Et ça se voit. Et c'est ta réponse qui m'inquiète un peu, chérie. Pourtant, c'est la meilleure qui soit. Puisque je t'ai dit oui. Le service national de la météo appelle cette énorme masse de vent et de pluie l'ouragan Sigrid. C'est un ouragan d'une puissance et d'une intensité sans précédent qui a pris naissance dans le centre de l'océan Atlantique et qui se déplace lentement vers l'ouest. Non, serait deux fois plus puissant que lorsqu'il a dévasté les Bermudes. Et sauf s'il changeait soudainement de route, il devrait frapper les côtes américaines. J'ai loué un appartement de 2 chambres dans le Maryland. Les météorologues... tempête est exceptionnelle, c'est fabuleux. Et on va pas vadrouiller tout le temps comme ça, non? Nous pouvons voir sur cette carte la route suivie par cet ouragan Sigrid. Tu fais tes bagages? Je croyais qu'on passait quelques jours ensemble avant de retourner à Washington. Tu veux que je rate le plus bel ouragan de ce siècle? Tu peux aussi le voir à la télé tranquillement dans... Cet ouragan va toucher la côte est et frapper Washington. Et tu voudrais que je ne sois pas là pour le voir? Oh, s'il te plaît, on a des réunions toute la journée demain. On décompresse quelques jours et ensuite, si tu veux, on remonte sur Washington. Bobby, je viens de te dire ce que je fais et pourquoi, et tu as l'air de t'en moquer. Mais non, pas du tout, mais je ne comprends pas que tu te prives de 3 jours au soleil. Mais enfin, bon sang, tu prends ton pied avec cette tempête? Je ne vois pas les choses comme ça. Prends un avion qui part plus tard, alors. Bobby, c'était bien tout à l'heure, mais la vie est courte et j'ai des tas de choses à faire. Linda, quand on la passe à courir partout, on se retrouve nulle part chez soi. Je saurai quand poser mes bagages. J'ai reconnu ton pas hésitant. Oui, je sais, j'ai une sale tête. Tu es si malade que ça? Je vais très mal, je suis en train de mourir, Viviane. Je meurs d'un cancer du pancréas, il me reste 6 mois. Je suis désolée. Ouais, pas autant que moi. Mais maintenant tu sais pourquoi il fallait que je te voie. Oui, j'ai un peu mis les formes, je sais, je voulais juste te voir. Je te présente mes excuses. Pour les souffrances que je t'ai infligées.
N'en parlons plus. Et je ne veux pas te mettre dans une situation pénible en pleurant sur notre sort. Je veux que tu saches que je reconnais les torts que j'ai eus. Et que j'en suis profondément désolé. Je te remercie, Rogers. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Tu te méfies encore? Je veux juste te montrer quelque chose qui devrait te faire un très grand plaisir. Ils ont arrêté le projet, mais moi, je suis toujours là. Ils disaient que c'était inexploitable. Ils disaient beaucoup de choses, mais ils ne faisaient rien. Moi, j'ai réussi. Mais voilà, notre Médusa. C'est impossible. Tu n'as pas pu. Non, bien sûr, c'est une maquette grandeur nature, c'est factice. Mais les plans sont complets. Ça marche. Tu te souviens de sa forme originale? L'enceinte en acier trempé qui devait être sans soudure pour les risques de fissures. Regarde. Vas-y, monte. Tu l'as construite seule? Jour et nuit depuis ton départ. C'est mon cadeau pour toi. Le brevet vaudra des millions. Ça ne m'intéresse pas. Rogers. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu ne me connais vraiment pas? Si, je te connaissais. Seulement tu as changé. Ils m'ont changé. Ils ont arrêté le projet le plus important de ce siècle, alors je les ai détestés, Shapiro et son gang du Pentagone. Mais je n'ai jamais détesté ce pays. Je ne veux faire part de mes recherches qu'à notre gouvernement, tu comprends? Elle est magnifique, Rogers. Tu as du génie. J'ai besoin de toi. Pour la livrer au Pentagone. Non. Viviane. Non. Non, je refuse absolument de le faire. Viviane. Je ne veux pas remettre les pieds dans ce monde. Ce monde? C'est celui où les esprits les plus brillants créent des choses qui dépassent l'imagination. Non. Ce monde, c'est un monde qui ne vit que de secrets, de dossiers trafiqués où règne la désinformation. Je ne veux plus de ça. Va la livrer toi-même. Regarde-moi, Viviane, je vais mourir. Je suis trop malade pour aller à Washington. Et même si je pouvais, comment crois-tu qu'il réagirait? Il se paierait ma tête, je serais expulsé du Pentagone. J'ai tout préparé, dans le moindre détail. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est accompagner la cargaison. Mais il y a d'autres scientifiques, Barker, Feldheim, ils sont plus sûrs que moi. Moi, j'ai confiance en personne d'autre. Tu vois quelles conséquences s'entraîneraient si elle tombait dans de mauvaises mains. S'il te plaît. Ça ne te prendra qu'un seul jour de ta vie. Et ça couronnera la mienne. Non, Patty, écoute-moi. La Scott Air, c'est un seul avion, tu te rends compte? Je vais éteindre cette télé si tu montes encore le son. J'en ai marre de devoir me battre sans arrêt. Je compte chaque dollar. Avec American Airlines, tu aurais pu être pilote. Ton salaire était presque le double de celui que t'offre Scotty. Écoute, chérie, la Scott Air, c'est une chose dont on a tous rêvé un jour. Et qu'on va tous construire ensemble. C'est l'occasion d'avoir quelque chose à nous. Je veux que tu acceptes la place à American. Je regrette, je ne peux pas avoir cette place. J'ai pas réussi les tests en cas d'urgence pour être pilote. Non, je ne peux pas te croire. Tu l'as fait exprès. Non, Patty, on ne fait pas exprès d'échouer. Si toi, tu avais vraiment voulu cette place, tu aurais réussi. Non, Patty, c'est simple. Ils ne veulent pas que je pilote pour eux. Allez, arrête, ça suffit. Si tu veux faire confiance à Scott, c'est ton choix. Mais moi, je ne le suivrai pas. Je n'en ai pas d'autre, sinon je ne vole plus. Je ne veux même pas que Scott sache que j'ai échoué.
s'il commence à douter de moi. J'emmène les enfants chez ma mère. J'ai besoin de réfléchir. Non, ne fais pas ça, ma compagne. S'il te plaît, ne fais pas ça. La Scotter est la seule chance que j'ai de voler. Comment ça, tu veux pas la prendre? Tu vas t'asseoir et on va te sauter. Tu ne vas tout même pas retourner dans ce monde. Souviens-toi, on a discuté, on a décidé que c'était terminé avec ce type. Arrête de faire tes bagages à l'instant. Tim, je veux faire ça pour lui. Cet ouragan pourrait encore s'aggraver d'ici la fin de la journée. Nous aurons un contact de très prochainement avec cet ouragan. Tu as chargé les palettes de livres en premier. Tu vas se faire normalement. Tu es responsable du fret extérieur. Je te préviens. Si elle te met très positive, vous ne comprenez pas. Ça suffit. Il faut que je sois sur ce vol avec deux malheureuses palettes de matériel. Eh ben, allez voir le commandant. Vous voulez que je vous dise je... Bon, ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Grouillez-vous, les gars, on est à la bourre. Oh, je vais devenir dingue. Il reste 10 palettes à charger. Allons-y. Merci, commandant. Vous êtes le commandant Nash? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À qui ai-je l'honneur? Votre petit chef, là, qui s'occupe du fret. C'est un nul. Ce n'est pas un nul, c'est mon collègue de boulot. Il refuse de me prendre, moi et mon chargement. Elle n'est pas sur le manifeste. Tu la vois, toi, sur le manifeste? Non, vous n'êtes pas sur le manifeste. Pas inscrite, pas prise. Ne faites pas le malin, commandant. La recherche environnementale pour le gouvernement loue votre avion. Je bosse pour la NERA et vous avez de la place. On pourrait reprendre depuis le début. Moi, je m'appelle Scott Nash. Lui, son petit nom, c'est Jerry. Et vous, vous êtes? Pardon, je suis désolée de vous avoir bousculé. Je rentre de 6 mois passés dans l'Antarctique. J'ai très peu dormi, beaucoup bu, je suis à cran, j'ai des instruments très fragiles à emmener à Washington. Il y a un ouragan qui va ravager la côte Est. Et moi, je ne veux pas rater ça. Ah oui, comment je m'appelle? Bien sûr. Je suis le docteur Linda McCoy. Et tout ce que je veux, c'est qu'on me rajoute, moi et ces deux palettes, dans votre avion, où il y a de la place. Vous savez, et je sais... que c'est un contrat d'État contrôlé par des bureaucrates régés. Une seule erreur et au revoir le contrat. Je ferai pas cette erreur, chérie. Chérie est déjà votre première erreur. Et la deuxième est de refuser de prendre mes palettes. C'est reparti, pointe. Je suis un haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Docteur, on ne menace pas. Ça ne fera pas grimper votre matériel dans l'avion. Je ne peux prendre ni vous ni vos affaires sans autorisation. Écoutez, ce n'est en rien ce une menace. Ce que je peux essayer à la rigueur, c'est appeler Washington pour voir ce qu'on peut faire. Très bonne initiative de votre part, commandant. Merci. Si on vous ennuie à Washington, venez me chercher. Oui, j'ai parlé au responsable du fret, mais il ne sait pas où elle peut être. Comment as-tu pu laisser cette caisse sans surveillance, ne serait-ce qu'une seule seconde? Tu l'as laissée il y a longtemps? 2 minutes. Alors retourne voir ce responsable. Et même menace-le s'il le faut. Fais-lui comprendre que c'est important. C'est du matériel urgent. J'appelle le Pentagone. L'ouragan Sigrid se déplace le long de la côte Est, où il est déjà tombé 20 cm d'eau en une heure. Celui-là a l'air très méchant. Bien, vous me le confirmez par fax? Merci. Tu viens, Doc? Je veux être à Washington avant l'ouragan. Le cargo est en difficulté et les gardes-côtes craignent qu'ils aient déjà coulé. Après avoir dévasté les Bermudes, Sigrid semble se positionner sur l'Atlantique et augmenter sans arrêt en intensité et en puissance. Non, tu me gonfles. Tu sais combien j'en ai à charger? Bon alors, mais tu sais que je peux pas. Va te faire voir, Gino.
Est-ce que vous avez retrouvé ma caisse? Oh, c'est pour vrai. Je croyais avoir été clair. C'est du matériel urgent. Je dois superviser moi-même son transport jusqu'au Pentagone. Moi aussi, je croyais avoir été clair. Remplissez-moi ce beau formulaire et on verra après. C'est inacceptable. Cherchez-la tout de suite! Où est ma caisse? L'une des palettes de la NERA est restée ici. La vôtre doit être sur le vol de la Scotter pour Washington. Faites-le revenir. Désolé, le fret du gouvernement passe en priorité. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Je me contrefiche du fret du gouvernement. Quel que soit l'endroit où est ma caisse, vous la trouvez et vous faites en sorte que je l'accompagne. Dans le cas contraire, votre compagnie sera rayée du registre du commerce avant 17h. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je veillerai attentivement à ce que vous regrettiez profondément la façon honteuse dont vous vous êtes occupé de ma cargaison. S'il fonctionne ici, nous en mettrons dans les aéroports internationaux du pays. Excusez-moi, je vous cherchais, monsieur. Vous voyez, on ne vous avait rien dit pour ce matin, mais apparemment, tout a été enregistré. Je crois que notre piège n'a pas marché. Venez, je vais vous montrer. Dites, c'est ce qu'on verrait si une vraie bombe était utilisée? Et c'est exactement ce qu'on verrait. C'était une vraie bombe nucléaire. Vous le saviez, c'est vous qui l'avez cachée ici. Tout le personnel de l'aéroport est assermenté. Vous n'avez fait qu'affoler les détecteurs. Vous le saviez. Alors à quoi sert de nous avoir caché que vous avez procédé à un test? La direction de l'aviation civile n'a pas fait de test. Si la marine n'en a pas fait, de l'armement nucléaire est passé dans cet aéroport. Peu rien. Que voulez-vous que je vous dise? Elle a du matériel à risque pour le Pentagone. Je suis bombardé d'appels. Elle doit le livrer en personne. C'est hors de question. On a un problème. Les mecs du fret se sont trompés de palette. Une des palettes de la NERA est restée au sol et on en a chargé une autre à la place. Siri, comment c'est arrivé? Soyez sympa, commandant. Vous êtes pas si loin que ça de Tala. Si j'envoie la femme là-bas à mes frères. Elle connaît du monde bien placé, celle-là. Il y a un problème? J'espère que ça ne concerne pas mon chargement. Non, aucun problème, ça ne vous concerne pas. Que s'est-il passé? On n'a pas suivi à la ligne le manifeste. Capitaine, s'il vous plaît. C'est quoi votre nom? Ben. Je vous pose une question, Ben. Est-ce que je vais me faire sonner les cloches par la NERA et le Pentagone? Sortez-moi ce capitaine du pied. J'enverrai moi-même la palette de la NERA à Washington. J'en ai pour 10 minutes. Vous prenez la femme et vous repartez. Hein? Je vous revaudrai ça. Et ça vous coûtera même cher. On retourne sur Tala Assi pour prendre cette femme. Vous faites demi-tour pour prendre une femme qui va livrer une caisse? C'est urgent, c'est pour le Pentagone. Je me fiche des petites envies du président. Je veux être à Washington avant l'ouragan, sinon je vous fais suspendre. Docteur, taisez-vous maintenant. Si je ne pensais pas pouvoir atteindre Washington avant l'ouragan, je ne ferais pas ça. Maintenant, j'essaie de réparer une erreur dont je ne suis pas responsable, mais comme les bonnes actions sont punies, je suis presque sûr que vous mettrez vos menaces à exécution. Cela étant, dans cet avion, c'est moi qui commande. Maintenant, asseyez-vous ou c'est moi qui vous fais asseoir. C'est lui le propriétaire? Parce qu'il est très jeune et
Il était pilote de guerre dans la marine. Capitaine de corvette. Il a piloté des Tomcats. C'est une tête brûlée, mais au boulot, il est... J'ai compris. Combien avez-vous d'avions? Un seul. Celui-là. On est encore petit. Ce contrat compte beaucoup pour nous. Je t'écoute. Eh bien alors, Cap 280. Passez-moi le secrétaire à la Défense, Stanley Shapiro. Trouvez-moi le directeur adjoint, Tony DiStefano. Oui. Alors, voilà la situation, monsieur le secrétaire. 36 avions ont décollé ces trois dernières heures. Il y a 9 transporteurs différents et ils ont tous reçu l'ordre de faire demi-tour et de revenir à l'aéroport. Ça va être bien. L'ouragan est de force 5, c'est le plus violent qu'on ait jamais vu et les dégâts sont déjà estimés à plusieurs milliards de dollars. Des centaines d'habitants des derniers sont sans abri. Les secours ayant d'énormes difficultés à se rendre sur... La séance a été ajournée afin que les députés puissent rejoindre leur famille avant que Sigrid ne les en empêche. J'ai convoqué tout le monde en salle de réunion. Rappelez-moi pour confirmer. Dites aux secrétaires de rentrer chez elles tout de suite. Cet ouragan ne me dit rien qui vaille. Ah, Dick, la Maison Blanche a été briefée sur ce que Miami a détecté. Le président aussi, à l'ambassade de Londres. On a trouvé qui c'est? Non, non, on n'a rien. Le centre de recherche travaille sur les données enregistrées, la CIA cherche qui c'est, et nous, avec DiStefano ou FBI, on fouille le pays. Le plus important, c'est que nous avons une substance nucléaire non identifiée qui se promène et dont on a peut-être perdu la trace. Vous savez qu'on fait rentrer les avions sur Miami. Oui, tout ça c'est très bien. Certains ont déjà peut-être atterri, d'autres ont fait le plein, ont pu changer de chargement. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et si ça se trouve, le paquet est dans un camion ou dans une voiture? Et là, ce serait la pagaille. Avec l'appareil que je t'ai donné? Oui, je suis à Tallahassee. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Écoute, j'espère que ce n'est pas un signe de ce qui nous attend, mais il y a déjà eu un désastre. Ils ont chargé ma caisse dans le mauvais avion. Ils doivent revenir me prendre. Ils font revenir un avion pour toi? Mais comment tu t'y es pris? J'ai eu des mots avec le responsable du fret. Je crois qu'il a dû avoir la peur de sa vie. J'espère surtout que le camion sera bien à l'aéroport, parce que je ne me vois absolument pas en train de porter cette caisse sur mon dos à travers les rues de Washington. Viviane, fais-moi plaisir. Règle cette histoire et rentre vite. D'accord. Je dois te laisser. Je te rappellerai de Washington. Je t'aime. Madame Henry? Oui. Bonjour. Commandant Scott Nash. Je suis désolé, cette erreur n'est pas de notre fait. Oui, peut-être. Il fallait qu'elle soit réparée. Je dois être à Washington ce soir. Ne vous inquiétez pas, vous y serez. Ne hurlez pas, je veux juste faire un petit aparté comme ça sur cet ouragan. On n'est pas sûr qu'il suive la trajectoire habituelle et il s'agit d'un nouveau genre dû au réchauffement climatique. Docteur, l'avant d'un avion est un tout petit endroit prévu pour le commandant et ses officiers. C'est le cockpit. Derrière le cockpit, sur la longueur du fuselage, se trouve ce qu'on appelle la cabine. Attendez, là veux, où les passagers restent assis. Je vais simplifier vous comprenez pour vous. Cet ouragan est comme un gros chat qui attend de bondir votre sur spécialité, vous. C'est quoi? Science atmosphérique. Comme j'essaie de vous le dire, cet ouragan est poussé par un océan plus chaud que lui. Il est plus agressif et peut surgir de n'importe où. C'est noté. Ne le sous-estimez pas. Il touchera Washington et je veux être à mon labo pour le suivre. Je ne veux pas être le postérieur sur le siège d'un avion cargo. Et quel joli postérieur. C'est bon les mecs. Alors, en gros titre, première victime de l'ouragan, Sigrid à Washington. Oui, faire deux colonnes en plein centre. On verra ça. Pour l'instant, je n'ai pas la matière pour remplir deux colonnes. Bon, je continue, un petit. Moteur Jetstream atterrissant dans un vent tourbillonnant s'est écrasé, piste 36, occasionnant la fermeture de l'aéroport de Washington. Un bimoteur? Oui, un bimoteur. Tu sais, il est très mal placé entre les pistes 36 et 33. Les passagers? L'équipage et les passagers ont été évacués. Après, j'enchaîne. Beaucoup d'avions ont été déroutés, mais il y a un énorme embouteillage aérien. Énorme. Voilà, alors écoute. Je suis cloué ici. Je n'aurai rien d'autre sur l'ouragan si je me débrouille pas tout seul. En attendant, je vais déjà essayer d'accrocher la tour de contrôle sur mon scanner. Déjà, passagers. Washington National, combien d'attentes?
Aucune information pour l'instant, Strater. On peut soit vous faire attendre, soit vous autoriser sur Dallas ou Baltimore. Bien reçu. Bon, je vais aller parler à notre nouvelle passagère. Madame Henry ? Appelez-moi Viviane, je vous en prie. Viviane, nous pensons atterrir tout de suite à Dallas si vous voulez changer votre destination. Pourquoi ? Washington National est momentanément fermé et ça risque de durer. Mon chargement doit être au Pentagone une heure après l'atterrissage. Mon livreur m'attend à Washington. Non, je préfère attendre et voir s'il réouvre. Je comprends. Très bien. Approche, je choisis l'attente. Nous devons atterrir le plus vite possible et j'aimerais être au sol avant que Sigrid pointe le bout de son nez. Bien reçu, Strater 50. Vous êtes autorisé direct sur la bâtisse de Georgetown pour une attente standard à 10 000 pieds, circuit à droite. Bien reçu, attente standard sur la balise de Georgetown, circuit à droite, 10 000 pieds. Dans l'état actuel des choses, il serait de pouvoir affirmer qu'il y a une relation entre... Monsieur ? Quelque chose ne va pas ici. Qu'est-ce que c'est ? Un vol prioritaire de la NERA parti de Miami, le Scotter 50, dérouté pour chargement sur Thalas. Bon boulot. J'ai quelque chose. Une indication. Tony ? Je te rappelle. Nous avons trouvé l'avion suspecté de transporter l'engin. Alors ? Il est en attente au-dessus de Washington. Parfait. Très bien, tout le monde en salle de conférence. Je veux une ligne avec cet avion et toutes les bases. Andrews, Pax River, McGuire. Et où il est ce nouvel agent ? Comment il s'appelle déjà ? Bill Andrews, monsieur. Bill ? J'ai les stupes qui essaient de mettre leur nez là-dedans. Je ne peux plus les voir. Et bienvenue au FBI. Mais, monsieur... Là, il me faut les noms et les antécédents de tout le monde dans l'avion. Je m'en occupe, venez. Ça, c'est ma grande fille, moi. C'est un gros bisou, c'est un gros bisou. Attends, je te pose. Où est Jerry? Il travaille. Oh. Ah oui. Bon, je vois des nuages blancs dans le ciel depuis un peu trop longtemps. Bon, je vais faire marcher mes pieds. Mesdames ? Mademoiselle, mais y aurait-il une alarme activée dans vos caisses de professeur Nimbus ? Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas si c'est important, mais on entend une espèce d'alarme électronique. Qu'est-ce qui se passe ? Je te tiens au courant, vieux. Je crois que ça vient de la dernière palette sur la droite. Je ne sais pas ce que ça peut être. C'est celle-là. Ça ne vient pas de mon matériel. Ça doit venir de celui que vous avez chargé par erreur. D'accord. On va y jeter un œil. Oui. Ça vient bien de cette caisse. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Madame Henry ? Je n'en ai aucune idée. Enfin, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Le prototype d'une machine que mon ex-mari m'a demandé de livrer à Washington. Est-ce qu'elle marche continuellement ? Est-ce qu'elle est branchée ? Non. Alors ouvrons-la. Non, certainement pas. Je vous l'interdis. Cette caisse n'est pas votre propriété et j'ai des instructions très précises. Madame Henry,
Nous sommes un avion cargo de commerce et en phase de vol. Nous sommes soumis à un règlement pour tout ce que nous transportons. Maintenant, dans votre caisse, il y a une alarme qui semble nous prévenir de quelque chose. Et à moins que votre mari vous ait donné des instructions précises sur la conduite à tenir au cas où elle se déclencherait, nous devons savoir pourquoi elle s'est mise en route. On l'ouvre. La toucher. Le détecteur réagit quand on l'approche. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais il était prévu qu'elle soit ouverte au Pentagone par des gens qui, eux, savent pourquoi. On ne peut pas attendre, Madame Henry. S'il y a une trappe amovible ici, ça n'est pas pour rien. Il y a peut-être des instructions à l'intérieur sur ce qu'il faut faire. Ne craignez rien, je ne vais pas l'endommager en l'ouvrant. Plus. Très bien, c'est fini, c'est réparé. On la referme. Non, non, attendez. Elle a un système de navigation interne qui suit notre position. Bonjour, je m'appelle Médusa. Merci de m'avoir appelé chez moi. En ce moment même, je devrais être dans l'enceinte du Pentagone. Mon emplacement a été mémorisé et détecté. Toute tentative de changement de cet emplacement ou de désactivation entraînerait une explosion immédiate. Scotter 50. Scotter. Ici Tony DiStefano, directeur adjoint du FBI. Vous êtes parti de Miami ce matin, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, Scotter, au moment même de votre décollage, nous recevions une information signalant que du matériel à risque non inventorié avait été détecté. Nous pensons que le matériel pourrait être à bord de votre avion. De quel genre de matériel parlez-vous? Atterrissez immédiatement. Le personnel qualifié est prêt pour examiner votre fret. Vous n'avez rien déchargé depuis votre départ de Miami? Non, tout est toujours à bord. Maintenant que vous savez tout, vous pourriez me dire ce que vous cherchez? Est-ce que nous courons un danger? Commandant, selon toute vraisemblance, vous ne courez pas de danger immédiat. D'accord. Je suis en attente sur secteur. Où voulez-vous que j'atterrisse? Pour l'instant, nous demandons l'autorisation à la base d'Andrews, mais restez en contact, je vous donnerai le feu vert. Bien reçu. Scott, on a une pièce, j'ai un petit peu... S'il te plaît, hein, pas maintenant. Yann, on arrête tout. J'ai capté une conversation entre le FBI et un avion qu'on a mis en attente au-dessus de Washington. Il le déroute sur Andrews, Yang sur Rush. Tu penses à quoi? J'ai comme l'impression que le FBI s'intéresse de très près à eux pour une raison très précise. De drogue? Non, je crois que c'est plus sérieux que ça. Il faut que tu ailles là-bas immédiatement, Scott. Oh, on a perdu une aile? Non. Alors je reste là, je suis bien. Écoute-moi. On a ouvert la caisse de Madame Henry. Dedans, on a trouvé un conteneur en métal avec un écran d'ordinateur. Il faut que tu lises le message. C'est une étonnante coïncidence. Le FBI pense qu'on a du matériel à risque à bord. Il fuit, c'est ça? Va voir ce qui se passe, je te dis. Cette chose a un système de navigation interne qui doit sûrement mal fonctionner. Elle croit qu'elle est dans le Pentagone. Avant d'être mis en attente, on avait survolé le Pentagone. Va voir, s'il te plaît. C'est peut-être une bombe. Ah, ça alors, c'est le bouquet. Ce matin, je me paye le départ de ma femme et maintenant une bombe à bord. Ça ne peut pas être une bombe. On se calme, d'abord on va regarder.
Liliane, c'est quoi ce message? Je pense qu'il a sûrement... C'est qui, il? Mon ex-mari. Il a sûrement programmé une série d'alarmes sonores sur ce prototype. Ce doit être un exemple de test pour montrer au Pentagone ce qu'il a conçu. Rien n'est vrai. Vous êtes sûre de ça? Oui, j'en suis sûre. Mon ex-mari est... Oui, justement, quelle est sa profession? Ingénieur en physique nucléaire. Il a travaillé pour le gouvernement à Los Alamos. Les dégâts causés dans les Bermudes, c'est déjà de l'histoire ancienne. Ce qui se présente est encore plus catastrophique. Mets une équipe là-dessus. Mais j'en ai rien à faire. Oui? Oui. Bon, d'accord. On a des photos de la suite. C'est l'ouragan de l'an dernier. Ils s'attendent à des vagues de 10 mètres de haut. Tout sera dévasté, le bord de mer, les routes, les habitations. Et celui-ci se rapproche de la côte sud de la Virginie. Dan, c'est Bob. Oui, Bob. Oui, je sais bien qu'ils veulent diffuser le programme normal. Non, c'est niette. On reste en direct là-dessus. À toi, Siri. Je suis donc sur la côte de la Caroline du Nord, où les services de secours sont prêts maintenant à évacuer les résidents de cette petite ville. Ce que vous pouvez voir derrière moi n'est rien d'autre que le front d'activité de l'ouragan Sigrid qui se prépare à frapper les rives et les plages de toute la région sud. L'avion atterrira sur la base d'Andrews dans une heure. Nous voulons être sûrs que les matières nucléaires parties de Miami sont bien celles qui sont à bord du 737. La marine a un autre renifleur sur la base de Max River. C'est exact, monsieur. Ils se rendent à Andrews et ils y seront dans une heure au plus. Quand le 737 atterrira, il repassera au renifleur pour confirmation. Parfait. Nous contrôlons la situation. Monsieur le directeur. Un renseignement sur cet avion cargo? La CIA craint un coup fourré d'un pays étranger. Ils envoient du monde de l'anglais. L'autorité navale veut participer. L'armée de l'air me casse les oreilles pour nous suivre. Et l'aviation civile, elle, cherche qui va faire atterrir l'avion et où. Virez tout le monde. On est seul maître à bord. Faites atterrir cet avion sur la base d'Andrews et voyez s'il transporte des matières nucléaires. Monsieur, j'ai le poste de commandement du Pentagone en ligne. Il donne l'ordre de ne pas faire poser cet avion sur le secteur d'Andrews s'il transporte des matières nucléaires. Qui a donné cet ordre? Le président. Très bien, on a un avion dangereux sur les bras qu'on ne sait pas où faire atterrir. Eh bien, c'est peut-être plus sérieux que vous le croyez. Alors il faut que vous soyez très clair sur tout ce que vous savez. Je croyais avoir été clair. Maintenant, je ne suis plus sûre de ce que je sais. Il a dit que ce n'était qu'une maquette. C'est peut-être une plaisanterie. Pourquoi aurait-il fait ça? Il était très... Quand nous avons divorcé, il était vraiment très en colère. Il voulait se venger. C'est peut-être sa façon à lui de me faire peur. Viviane, beaucoup trop de choses coïncident dans cette affaire pour que ce soit une farce d'homme divorcé. En ce moment même, le FBI cherche un appareil contenant des matières dangereuses et ils ont l'air persuadés qu'il se trouve dans cet avion. Quel genre de matière? Ils sont très vagues. Il n'a pas fait ça. Pourquoi pas? Ce que dit ce message laisse de plus en plus penser le contraire. Recommençons depuis le début, d'accord? Quel est cet appareil et à quoi peut-il bien servir? Très bien. Quand il était à Los Alamos, il a fait une découverte très importante qu'il a appelée l'effet Médusa. Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'EMP, une impulsion électromagnétique violente qu'il a appelée Médusa. C'est-à-dire, elle change les choses en pierre? Elle peut tout faire fondre, tout ce qui contient une puce électronique. Oui, je vois. Si un gouvernement pouvait fabriquer cette EMP, il pourrait détruire les capacités de nos sociétés modernes à communiquer, à transporter l'électricité ou à utiliser les circuits électroniques. Oui, je sais, la marine a toujours essayé de muscler, comme ils disent, leurs circuits et leurs puces pour contrer une EMP envoyée par les Russes. À cette époque, déjà, Rogers savait que le monde devenait totalement dépendant de l'électronique et des ordinateurs. Il disait que les États-Unis devaient être les premiers à fabriquer Médusa. Sinon, ils couraient le risque d'une paralysie ou d'un chantage. Et cette Médusa est armée? Opérationnelle? Non, bien sûr. Je ne vois pas comment il aurait fait. Il a dit que c'était une maquette sans plus. Viviane, cette histoire me pose un énorme problème, vous le comprenez? Alors soit vous le croyez, soit vous ne le croyez pas. Je ne sais plus du tout ce que je dois croire. Bon, alors, supposons qu'il vous ait caché la vérité et qu'on ait une vraie Médusa ici. Comment marche-t-elle? Je crois avoir compris que lorsque vous cherchez à créer cette onde électromagnétique, l'effet Médusa... Quoi? Vous devez d'abord avoir recours à une explosion thermonucléaire.
Nash a les meilleures références. Officier de la navale, Annapolis, pilote de guerre décoré, mais c'est un cow-boy. Il a laissé une kyrielle d'officier derrière lui qui tremble rien qu'en entendant son nom. C'est tout ? Il rebondissait tellement à chaque atterrissage qu'on l'appelait le tigre. Tigre ? Oui, on dit aussi qu'il en avait la santé. C'est un sauvage, une tête brûlée. Un tigre. Oui ? Il est en ligne. Commandant, c'est à nouveau Di Stefano. Un instant, je vais vous prendre sur mon interphone. Je vous écoute. Vous allez atterrir sur la base de Pax River, vous savez ça ? Bien sûr que je sais. Pourquoi Pax River ? Je serai encore sur la trajectoire de la tempête. Oui, je sais bien, mais Pax River est la seule base sur votre route équipée pour examiner votre fret. Écoutez, monsieur Di Stefano, je poserai cet avion quand je saurai ce qu'il transporte. J'ignore ce que vous voulez vérifier à Pax River, mais ça doit être sérieux. Alors je veux une réponse directe. Que croyez-vous qu'on est à bord de l'avion et pour quelle raison le croyez-vous ? Est-ce qu'on peut prendre le risque de lui dire ? Si je veux que ce type coopère, je ne peux pas l'amener en bateau. Commandant ? Après lecture des données enregistrées par des détecteurs à l'aéroport de Miami, nous avons été amenés à croire que vous avez de la matière nucléaire à bord de votre appareil. Génial. De la matière nucléaire maintenant. La ferme. On peut arrêter les petits secrets ? Vous pensez à du plutonium ? C'est exactement ce à quoi nous pensons, commandant. Appelez-moi Tony et laissez les messieurs de côté. C'est d'accord, Tony. Parfait. Maintenant, rejoignez Pax River immédiatement. Bien sûr. Vous y serez attendu par un officier de marine et un de nos agents à qui j'aimerais que vous apportiez votre coopération. Scott. J'aurais aussi besoin des noms et prénoms des membres d'équipage et de vos deux passagers. Ouais, bon, je crois que vous avez déjà tout ça, mais c'est pas grave, je joue le jeu. J'ai donc deux passagères, le docteur Linda McCoy de la NERA, Emilian Henry, ensuite mon copilote, John Hazard, mon mécanicien navigant, Thierry Garnett, et moi, le commandant Scott Nash. Parfait, Scott. Merci, je vous contacte. À l'instant, Tony. Il faut que je vous dise. J'écoute. Nous avons découvert une chose à bord. Dites-moi quoi ? Tout le monde sur le pont, les mecs. Je suis sur un coup. Oh, soit c'est du fait divers, soit c'est le scoop du siècle. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur un scientifique, le docteur Rogers Henry. Le nom de son ex-femme est Viviane, et sur le docteur Linda McCoy. Et vérifiez le nom des membres de l'équipage. Vérifiez, ne faites rien d'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a à bord ? Le FBI pense qu'il y a des matières nucléaires sur le Scott Air 50. Oh, merde. Je n'ai pas fini. Je vais rentrer tout de suite au bureau. N'oublie pas, Motus et bouche cousue, si c'est un test, on fait paniquer tout le pays. Et ici, c'en est pas un ? Tu as une bombe atomique qui se promène au-dessus de ta tête. Oui ? Oh, Dean, Dieu merci, tu es là. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu ailles chez Rogers, et vite, laisse tomber ce que tu es en train de faire. Tu as un problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rogers a fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Une seconde, ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Mais Jacques, je dois livrer au Pentagone. Tu sais, la maquette de Médusa, c'est peut-être une vraie... Non, Viviane, je t'en prie, ce n'est pas possible. C'est sûrement un autre de ces coups tordus. Et si ce n'était pas un coup tordu, je serais responsable. D'accord. Qui est au courant de ça ? Le FBI. C'est pour ça que j'ai tellement peur. Parce que eux ne traitent pas la situation à la légère. Alors ils vont savoir quoi faire, ne t'inquiète pas. S'ils ne savaient pas quoi faire, si personne n'était capable de trouver une solution. Seul Roger sait ce que c'est. Il faut aller le chercher, Dean, tu comprends ? Essaye chez lui, tu as son adresse. Note bien ce que je vais te dire. D'autres ingénieurs ont travaillé avec lui sur le projet Médusa. L'un d'eux est le docteur Clarence Barker. Il habite sur Old Road et Sullivan, c'est pas loin d'où tu es. Va le voir et demande-lui s'il sait quelque chose sur les travaux de Rogers. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis maintenant connectée. Toutes mes sauvegardes anti-désarmement sont activées. Seule Madame Viviane Henry a la capacité de me désarmer. Si je ne suis pas désactivée, un compte à rebours se déclenchera. Mon Dieu. La présence de
de Vivian Henry a été détectée. Comment a-t-elle su? Ils foutent là-bas. Hé, hey, du calme. On est déjà assis sur les nerfs comme ça. Mène-toi de décrocher, espèce de débile. L'ambassadrice vous écoute, elle est avec moi. Monsieur le Président, l'avion fait route sur Pax River, comme vous l'avez demandé. Oui, mais... Mais il y a autre chose, Monsieur le Président. Stanley, je vous en prie, parlez. Apparemment, il y a un engin dans l'avion. Un engin qui serait d'une puissance de 20 mégatonnes. Est-ce que c'est possible? Les données enregistrées à Miami le prouvent, monsieur. Le compte à rebours de la bombe, de quelque nature qu'elle soit, indique qu'il reste 3 heures et 30 minutes. Cet engin pourrait tout anéantir dans un rayon de 60 km. 3h30 minutes. Où est-il en ce moment? Au-dessus de Washington. C'est totalement... inacceptable. Je veux qu'il quitte ce secteur et tout de suite. Il lui faut combien de temps pour atteindre Pax River? On peut prévoir une trentaine de minutes, monsieur. Stanley, est-ce vraiment une coïncidence que cela arrive au moment où le président part en voyage au Moyen-Orient? Jim, nous pensons que ça n'a aucune relation, madame. Il nous faut combien de temps pour rentrer en urgence à la maison? Au moins 6 heures, monsieur le président. Stan, je ne peux pas être à Washington avant au moins 6 heures. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si cet engin explosait, nous ne voudrions pas que vous soyez près de la côte est, monsieur. Écoutez-moi, Stanley. Cet engin, ou appelez-le comme vous voulez, n'explosera pas sur ou près de notre territoire. Réunissez tous les responsables concernés et qu'on me tienne au courant. Je compte sur vous pour m'aider à me libérer. Essayons de progresser, Scott. Le dispositif semble moins concerné par sa position que par celle de la femme, c'est ça? Il me semble. Bon. Alors si tous les messages dépendent des déplacements de cette femme... Il n'y a pas de danger à ce que l'avion quitte le secteur et se dirige sur Pax. Si on a compris les messages... Je connais vos antécédents, Scott.
Vous faisiez ce genre de réflexion en atterrissant sur le pont des navires de guerre. Vous avez compris ces messages. Écoutez, je n'ai jamais pris de décision qui concerne autant de monde, alors... Mais, je sais. Mais nous n'avons pas le choix. Vous êtes en train de vous dire que c'est facile pour moi de vous envoyer à Pax, mais je suis au-dessous de vous. Si quelque chose arrivait, on y resterait aussi. Tout le monde y resterait. Écoutez, Scott. Si cet engin disait la vérité... S'il attendait d'être au milieu du Pentagone pour nous faire exploser, il aurait déjà explosé. Compris. On suit vos ordres. D'accord. Comment va le personnel à bord ? Il va très bien. Approche de Washington, Scotter 50. Je demande mon cap pour la base de Pax River et je voudrais aussi la météo locale. Il faut que j'appelle le FBI. Je crois que Roger... Qu'est-ce que je vais faire si tu t'éloignes de moi? Tu n'en fais qu'à ta tête, Megan. Si tu t'éloignes de plus de 4 mètres de moi, j'explose dans la seconde qui suit. Tu vois? Tu ne partiras pas d'ici, c'est certain. Tu y mourras, même si tout le monde au Pentagone s'échappe. Toi, tu mourras. Viviane, ne bougez pas. J'en reviens tout de suite. Voilà, j'arrive. Docteur Clarence Barker. En chair et en os. Dean Cooper, je suis un ami de Madame Henry. Viviane, ange du ciel, comment va-t-elle? Oh, elle va bien. Elle m'a demandé de venir vous voir pour une affaire urgente. Alors, c'est qu'elle ne va pas bien. Vous avez une carte d'identité, Monsieur Cooper? Oui, je n'ai pas pu entrer en contact avec Roger Henry, c'est pour ça que je viens vous voir. Je ne vous dirai que ce que je sais. Docteur, que savez-vous du vieux projet Médusa? Et vous, qu'en savez-vous? Moi, rien. Rien d'autre que ce que Viviane m'a expliqué. Elle m'a parlé d'une impulsion électromagnétique pouvant détruire toute l'informatique d'un pays. Ce qui pourrait en faire l'arme suprême du monde moderne. Je sais que vous avez travaillé sur ce projet avec Roger Henry. L'avez-vous mené à bien? Je suis encore tenu au secret, monsieur. Ah, ce projet est sûrement déclassé. D'accord, procédons autrement. Si je vous avais dit qu'en ce moment un avion volait au-dessus de Washington avec un prototype armé de ce projet Médusa, que m'auriez-vous répondu? Que c'est impossible. Merci, Seigneur. Viviane, il est en ligne avec le FBI. Je relaierai vos messages. Surtout, ne bougez pas. D'accord. Dites-leur qu'il habite 17650 South Fork Road, dans une maison. Mais quand ils y seront, vous leur direz d'être vraiment très prudents avec lui. Elle dit qu'il habite 17650 South Fork Road et qu'il faut être très prudent. Oui, ça on le sait. Dites-lui que tout est noté et qu'une équipe est partie chez lui. S'il se sent menacé, il s'amusera avec eux et leur fera croire qu'il veut collaborer. Elle dit qu'il s'amusera avec vous, qu'il fera semblant de collaborer. D'accord. Scott, pouvez-vous... Samy. Monsieur. Réconfortez-la et dites-lui qu'on sait gérer ces situations. Non, attendez. C'est quelqu'un qui ne donne rien contre rien. Alors transmettez-lui ce message. Dites-lui que... Dites-lui que je sais ce qu'il veut que je fasse. Et que je reviendrai près de lui. Que je le soignerai moi-même. Je ferai tout ce qu'il voudra. Mais qu'il leur dise comment arrêter cet engin. Et dites-leur de ne pas partir avant qu'il le fasse. Les rapports. Copilote John Hazard, surnom Doc, ex-marine, sans histoire. Mécanicien navigant Jerry Carnell, pas de passé militaire, sans histoire. Pilote Scott Nash, on en a parlé. Aucun crime ou délit, libéré de l'armée pour raison top secrète et qui le reste encore, sans histoire. À mon avis, le loup est ici. C'est la scientifique Linda McCoy ou cette Viviane Henry. Nana, pas de déduction. C'est trop tôt. Et il est de notoriété publique que nous étions proches d'une découverte capitale dans le projet Médusa. Et le gouvernement l'a arrêté. Mais nous n'avons pas trouvé le chaînon manquant. Vous étiez proche de le trouver? Nous le pensions, oui. Vous en étiez proche à quel point? Est-ce que Rogers aurait pu terminer ce travail tout seul? Non. Enfin, théoriquement, il aurait pu. J'aurais voulu que vous me disiez qu'il lui était impossible de se procurer un peu de plutonium. Ah non, ça ne l'était pas. Pas à son niveau. Il avait accès à... Docteur, Rogers voudrait que Viviane livre un prototype armé du projet Médusa à Washington et elle est en ce moment avec cet engin dans un avion. Mais c'est impossible, sir.
Il aurait fallu le tester. C'est peut-être ça, le test. Ça fait 8 ans qu'il travaille dessus, non? Oh, mon Dieu. Non, mais écoutez-moi, je sais qu'il peut aller loin pour faire souffrir Viviane. Le croyez-vous capable d'attaquer son propre pays? Tout le monde sait qu'il est un peu fou, mais... Bon, alors, s'il n'est pas chez lui en ce moment, il est peut-être dans cette maison. Oui, dans la forêt. Je sais où c'est, j'y vais. Contactez les autres scientifiques si vous le pouvez. Ils savent peut-être quelque chose. Docteur Feldheim, je vous prie. C'est urgent. Allô? Allô, docteur Clarence Barker? Oui, c'est à quel sujet? Monsieur. James Peter Cook, du Washington Sentinel. Je n'ai rien à vous dire, monsieur Cook. Non, ne raccrochez pas, j'ai vraiment besoin de votre aide, monsieur. Docteur Barker, nous savons déjà ce qui se passe sur l'avion cargo. Nous savons aussi que vous avez travaillé avec Rogers Henry à Los Alamos. Alors, au lieu d'entrer des spéculations, nous aimerions vraiment avoir des renseignements fiables. Vous connaissez bien Rogers Henry? Monsieur Cook, donnez-moi votre numéro rouge. Je vous rappellerai. 555-0154. Degrés, vitesse 48 nœuds. Rafale 60 nœuds supérieurs. Oui, ça je les sens bien. Docteur Barker? Oui. Oh, merci de rappeler, monsieur. Essayez de me trouver quelque chose. Nettoyez ce printemps, au bloc. Donc le projet Medusa a été interrompu avant d'avoir été développé. C'est exact. Mais c'est un prototype de ce projet qui vole en ce moment au-dessus de nos têtes. Je ne peux pas répondre à cette question, monsieur Cook. Avancez les gars. Théoriquement parlant, est-ce que c'est vraiment possible? Je ne vous ai pas appelé pour faire de la théorie. Bon, très bien, docteur. Vous venez de m'expliquer comment devait fonctionner ce prototype. Maintenant, supposons qu'il soit armé. Que provoquerait son explosion? Monsieur Cook, il n'est absolument pas dans mes intentions de créer une panique. Moi, je ne suppose rien du tout. Allô, Tony? Oui, ça ressemble à un atelier. Ça pourrait aussi être un laboratoire. Le mec a bien fait son ménage. C'est radioactif. Tout le bâtiment est radioactif. Des traces de plutonium. Roger Henry est notre homme. Et il a disparu. Il n'était pas chez lui. Y a-t-il d'autres endroits où Roger a pu aller aussi? En sortant de l'autoroute 1, prenez à droite et continuez sur 1 kilomètre. Ensuite, à gauche, prenez le chemin privé. Prenez à droite 1 kilomètre et à gauche, le chemin privé. Asseyez-vous et bouclez votre ceinture. Parfait. Notez, j'envoie tout de suite mes gars. Denis, que savez-vous d'une arme qui s'appellerait Medusa? Comment ça? Eh bien, je crois qu'il n'y aurait rien de pire que de faire voler une bombe de 20 mégatonnes au-dessus de la Maison Blanche. Une bombe qui peut aussi déclencher une énorme impulsion électromagnétique, l'onde Medusa. Scott, on peut parler de beaucoup de choses, mais pas de ça. Apportez-moi le dossier Medusa. Restez en contact, je vous rappelle. Bien reçu. Selon notre reporter, la situation est en train de se dégrader dangereusement. Les habitants barricadent leur maison, merci. Car tous les magasins sont fermés. Pour l'instant... On va Siri avant que la tempête nous l'emporte. Une seconde. ...va rassurer la population. À toi, Siri. Non, c'est même... Oui, vous pouvez voir derrière moi que notre camion a été emporté.
emporter par le vent, c'est complètement incroyable. Calme, il faut que je vous entende. On vient de dire que l'ouragan se déplaçait vers l'état du Delaware. Quoi? Non, t'es à la bourre, jeune. Ça devrait vous intéresser. Bon, enchaîne avec des images et ensuite sur Manny. À coup, je dégage. Je viens d'intercepter des messages bizarres entre deux types sur le net. Ils parlaient d'une arme secrète qui est dans un avion volant au-dessus de Washington. C'est des conneries, mon vieux, comme d'habitude. Alors pourquoi Washington Sentinel est sur le cours? Peter Cook a apparemment contacté l'un des scientifiques et ce gars l'a rappelé. Trouve Joe, Pentagone. Tout de suite. Dans un premier temps, essayez de savoir s'il est dans cette maison. Comment? C'est n'importe quoi, mon vieux. Non. Non, je ne veux pas d'hélicoptère avant que vous soyez sur les lieux. Sinon, il prendra la poudre d'escampette. Écoutez, quand vous l'aurez, envoyez-le à Pax. Faites comme vous voulez pour le maîtriser, mais je le veux en bon état pour désarmer l'engin. Ça marche? Chers collaborateurs, je vous demande calmement de baisser d'un ton. Bill, je vous écoute. La météo se dégrade très vite à Pax. J'aimerais bien avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Donna? Le commandant de la base de Pax dit que la météo est trop mauvaise. Il ferme la base. Très bonne nouvelle. Et de mieux en mieux. Trouvez-moi le directeur, je serai dans mon bureau. Apparemment, on travaille sur le même sujet. Cela dit, vous avez vos sources, nous avons les nôtres, c'est une affaire urgente et importante, mais nous attendons confirmation. De quel sujet parlez-vous? Médusa. Ça ne vaut rien. Selon nos sources, un engin demi se baladerait au dessus de Washington et menacerait les puces et les systèmes informatiques du pays, et tuerait aussi quelques millions de personnes. Alors suivez vos sources. Je ne suis pas un débutant. Je sais aussi que vous avez parlé avec un scientifique de Los Alamos, un certain docteur Clarence Barker. Alors écoutez, vous êtes un journal et nous, une chaîne de télé. Vous en parlez demain, nous c'est tout de suite. On peut partager. Peter, on va traiter le sujet. Vous pouvez coopérer, nous dire ce que vous savez. Et je vous jure que vous ne le regretterez pas. Ou alors je sors le sujet, sans vous. Et vous, vous en cherchez un autre. D'accord. Alors commençons par Pax River. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de millions. Nous savons maintenant que les principales menaces sont les tornades et les inondations. La population est en état de choc. Dans toutes les villes du front de mer, il est fait état de personnes blessées ou décédées, en particulier dans les zones qui ont été évacuées. Le montant des dégâts de tous les états touchés est estimé à plusieurs milliards de dollars. Comme souvent, quelques jusqu'au boutistes ont refusé d'être évacués. La police a respecté leur choix, mais a décidé quant à elle d'évacuer les lieux. Comme vous le constatez, l'ouragan Sigrid ravage la côte Est. La population est terrifiée. C'est une vision d'apocalypse qui s'offre à nos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus? L'engin peut exploser. Si les sorciers à Pax se butent dessus, tout saute. Il atterrit à Pax malgré le mauvais temps? Ouais. Le commandant de la base refusait. Il est coincé, Stanley l'a mis à l'écart. Écoutez, Tony, c'est surtout le déclenchement de l'onde Médusa qui nous fait paniquer. L'engin est toujours sous notre contrôle. C'est un domaine réservé. Dès que l'avion est au sol, on le perd. Mais pour l'instant, il est à nous. Dans la voiture et va tout de suite chez ta mère. Tu as perdu la tête? C'est à peu de 10 heures de route. Fais ce que je te dis, Gina. Tu sais quel temps il fait ici? Tu veux plus de moi, c'est ça? Non, Annie, dis-moi ce qu'il y a. Je devrais même pas te téléphoner. Montez dans vos chambres. Ne pose pas de questions. Fais simplement ce que je dis. Tony, dis-moi ce qu'il y a. Tu
Souya, il y a un peu plus de 6 ans. L'homme que je recherchais au Guatemala. Oui. Tu te souviens, on se demandait ce qu'il fabriquait. Ne dis pas ce que c'était. Dis-moi simplement si tu t'en souviens. Oui. Et on avait été soulagés après. On s'était inquiétés pour rien. Oh non. Si. Ça se passe aujourd'hui et ça se passe dans la réalité. Grave dans la voiture, quitte cette ville, va dans l'ouest. Aussi loin que tu pourras, surtout ne parle à personne et garde ton portable branché. Et toi, comment tu vas faire? Je m'arrangerai, mais si je sais que ça va pour vous, ça ira bien pour moi. Allez, fais vite. Je t'aime. Elle a rencontré cet homme et l'a épousé quand elle travaillait pour le gouvernement à Los Alamos sur les explosifs. Donc, ce n'est pas une novice en armement nucléaire. Elle est divorcée du docteur Henry depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on la retrouve dans un avion avec un engin nucléaire que son ex-mari a fabriqué. Je crois qu'on pourrait voir cette femme sous 2 aspects presque opposés. Le premier, c'est une femme en colère, furieuse qu'on ait arrêté le projet de son mari et qui veut se venger. Le deuxième, c'est une ex-épouse manipulée par son ex-mari qui est mourant et qui lui demande de livrer une arme nucléaire au Patagone. Mais la femme du premier scénario peut aussi se faire passer pour la femme du deuxième. Ouais, peut-être. Peut-être bien. Ah, très bien. Alors voilà comment on va faire. Après l'atterrissage, l'équipage et les passagers seront arrêtés. Ce qui entre dans le cadre de la procédure habituelle prévue en cas de détournement. Pour les bons et les méchants, on verra plus tard. Explosion de 20 mégatonnes, Washington et sa région voleront en éclats et seront inhabitables pendant 1000 ans. Mais ça fait plusieurs millions de personnes. Qui mourront tout de suite. Plusieurs autres millions mourront dans l'année du fait des radiations. C'est inimaginable. Que savez-vous sur cette onde Médusa? Barker m'a expliqué qu'une explosion nucléaire crée une impulsion électromagnétique. Le but du projet Médusa était d'élaborer une onde secondaire de portée continentale qui immobiliserait tout matériel à composantes électroniques. Si cette bombe dans l'avion est une vraie, une impulsion comme ça peut détruire toute l'Amérique du Nord. On ne sait pas si c'est une vraie. Espérons que ce ne soit pas une vraie. Don, si vous présentez ce sujet... Oui, je sais. Écoutez, les patrons n'ont pas encore pris de décision. Il y a des risques d'atteinte à la sûreté d'État. Mais moi, je dois préparer mon édition spéciale. On fera au moins évacuer Washington. Vous ne pouvez pas sortir ce sujet si vous n'êtes sûr de rien. Oui, je sais. En attendant, au boulot. Scooter 50, autorisé à atterrir. En 350 degrés, 55 nœuds avec rafale de 30 nœuds supérieurs. Scott, je ne sais pas si on va atterrir. Nous pesons 140 000 livres. Pour un atterrissage, voler normaux, ça fait une vitesse d'approche de 140 nœuds. Ok, 140 moins environ 50 nœuds devant de face, ça fait 90 nœuds. On va presque moins vite qu'en voiture. Ouais, ben justement, pour nous, il vaudrait mieux pas. Arrête du calme, mec. Vous faites erreur. Merde.
merde. Faut arrêter l'autre qui est là. Il y a quelqu'un qui peut empêcher la catastrophe. Vous connaissez l'homme qui est à l'intérieur de cette maison? Écoutez-moi d'abord. Il s'appelle Roger Henry. C'est un scientifique. Son ex-femme est ma fiancée. Elle est dans un avion en ce moment au-dessus de Washington avec une espèce d'engin que ce dingue a fabriqué. Il faut l'arrêter. Ne vous approchez pas de cette maison. Le renseignement que vous m'avez donné est top secret. Allez, entendez. Vous savez pas ce que vous faites. Écoutez-moi, vous faites une énorme erreur. Nous avons un suspect d'arrêté. Nous continuons notre mission. Amène-nous sur le radial de rapprochement. C'est 330. Je garde 30 nœuds de plus pour le cisaillement devant. Je mettrai davantage, plus 40. Ok, plus 40. Autorisé à atterrir, la piste est libre, Scotter. Atterrissage à votre contenance. On traverse. Atterrisse de 30 degrés par rapport à l'axe de la piste. Je vais être prêt pour une remise de gaz, Scott. Ne te presse pas, on est plein de carburant. Dans 5 secondes. 4. 3, 2 et... Oui, oui, c'est bon. Attention. Antenne. Bonjour à tous. Selon de nombreux témoignages, il y a en ce moment dans le ciel de l'Est des États-Unis un avion cargo civil, un Boeing 737 appartenant à la Scott Air, qui a reçu l'ordre du FBI d'atterrir sur la base navale de Paxtuxet. L'un de nos correspondants a intercepté des communications aériennes et nous pouvons déjà confirmer que le FBI soupçonne la compagnie Scott Air d'avoir chargé à son bord un engin nucléaire d'une énorme puissance. On encercle la maison. Exécution. Notre correspondant a aussi appris que l'équipage à bord de l'avion aurait fait état d'un compte à rebours avant l'explosion de la bombe. Il resterait maintenant moins de 3 heures. La Maison Blanche et certains ministères ont apporté un démenti formel. Les caisses s'approchent. Je vais descendre à l'altitude minimum. Ok. Terrain en vue devant. Dis-leur qu'on est en vue. Regardez. Je le vois. Il est là. Ok. En vue. Piste d'atterrissage. Aérofrein automatique. Armé, témoin ouvert. Aérofrein. Ok. Train. Sortie. Trois verts. Volé. 15 témoins de dépassement de vol et sur marche. Serait maintenant à 2h30. Nous sommes en mesure de vous dire que le type de bombe qui se trouve à bord de l'avion est... Scott, cisaillement. L'indicateur monte jusqu'à 20 ou 30 nœuds. Je sais, j'y sens. C'est peut-être un tourbillon. Cisaillement. Plusieurs millions de personnes. Cette arme que l'on peut qualifier d'apocalyptique. Je dégage dans la 200e famille. Bordel de merde ! Ramène le masque, Scotty ! Des dégâts très importants. On dérive à gauche ! On dérive à gauche ! On est en dehors de l'axe ! Oui, je vois ! Non, Scotty, non, non ! C'est le taxiway ! Redresse, redresse ! À droite. À droite. Remettez les gaz. Tu veux rentrer le prince? Non, on en aura besoin. Thank you.
trop courte, c'est impossible. Remets les gaz. Remets les gaz. Ils vont pas pouvoir s'arrêter. Accélère, Monty. Mais qu'est-ce qu'ils font? Plus vite, Monty. On est à la bonne vitesse, tu peux y aller. Allez, grimpe. Ça y est, il a donné. Allez, Monty, vas-y. Rouge. Allez, monte. Oh mon Dieu. C'est sur le manche, Scotty. Tu peux rentrer le train d'atterrissage, Doc. S'il te plaît, atterrissage rentré. Train d'atterrissage rentré. Vitesse de vol actuelle 139. Trouve-moi une piste à l'ouest ou au sud, ou n'importe où, sauf ici. Je ne vais pas prendre ce risque une deuxième fois. Viviane, on n'a pas pu se poser. Oui, j'écoute. Roger Sonnery vient de s'adonner la parole. Allumez la télé, ils sont déjà au courant. BCA a vérifié la véracité de cette information. Et nous pouvons confirmer que le FBI soupçonne la présence dans les soutes de l'avion de la Scott Air d'un dispositif nucléaire présentant tous les dangers d'une bombe. Allons-y gaiement, créons la panique. D'autres instances gouvernementales, mais selon nos sources, il semblerait que cette bombe nucléaire à bord de Scott Air 50 maman, soit programmée pour exploser dans cet appareil. 2h30. BCA a également découvert que l'arme transportée par cet appareil provoquerait, si elle devait exploser au-dessus ou à proximité d'une société moderne, non seulement la mort de plusieurs millions de personnes, mais également un véritable chaos économique en détruisant tous les systèmes informatiques, semant la pagaille dans le monde de la finance, des communications et dans celui de la télévision que vous regardez en ce moment. Génial. Oui, joli travail. Et alors, cette information, c'est un métier? Il fallait s'en douter, avec l'activité qui règne à Pax. Ce pilote est un crack, s'il n'a pas pu se poser là-bas, il ne faut pas insister. Le cyclone se dirige vers le nord. Il devrait avoir passé Seymour Johnson quand Scott Air viendra s'y poser. On fait évacuer la base actuellement. Dès qu'ils auront atterri, un de nos C-141 emportera cette chose. On ne pourra peut-être pas déplacer l'engin, mais il y a la femme. Alors on imitera le signal de son pacemaker. On la fera sortir, nos pilotes prendront la relève, voleront au-dessus de l'Atlantique. Là, ils éjecteront et la bombe sautera. Et il est retombé? Elles vont dépendre de la distance couverte. Je ne t'entends pas très bien. Oui. Ils ont failli s'écraser à Pax. Ils vont à Seymour Johnson. Donne-moi la météo sur Seymour. Allez, débrouille-toi. Pilotage automatique. Parfait. Écoutez, ils veulent qu'on se pose à Seymour Johnson. Ils ont un plan, comme toujours. Et on n'a rien à dire. Je n'aime pas ça, mais la situation est plus forte que nous. Calculons un peu nos chances. Premièrement, ce n'est peut-être qu'un leurre. Je ne suis pas prêt à en prendre le risque. D'accord. Deuxièmement, le FBI retrouve la trace du vilain docteur et obtient les codes pour désactiver ce truc. Et troisièmement, on peut l'ouvrir et débrancher nous-mêmes quelques câbles. Cinglé ou quoi? Autre cas de figure. Ils ne retrouvent pas le scientifique, le compte à rebours continue et nous devons livrer cette chose à des experts. C'est ce qu'il faut faire, alors faisons-le. Et si les experts ne réussissent pas? On n'a pas le choix. On ne peut rien larguer en vol. On transfère la bombe dans un C-141, équipé d'une issue. Ils emportent la chose, la larguent dans l'océan. Et la population est sauvée. La population, c'est ma femme et mes gosses. Il y a aussi le problème de Viviane Henry. Si elle s'éloigne de plus de 4 mètres de la bombe, celle-ci explose. On sait qu'il la tient en son pouvoir. La question est de savoir s'il nous donnera un autre avertissement avant... Mais je pense qu'il le fera. Ce salopard veut la torturer, la laisser tranquille, reviendrait à la libérer. Non, il va continuer à la tourmenter. Dites, ça va peut-être vous surprendre. Mais en fait, on suppose que Viviane est une victime innocente. Personne ne se dit qu'elle est peut-être complice. Non, ça ne tient pas. Pourquoi? Elle a fait mettre cette chose à bord. Tu nous demandes d'analyser la situation, alors tâchons d'envisager toutes les alternatives. Votre fiancé transporte une arme thermonucléaire à 33 000 pieds d'altitude. C'est toute la côte est des États-Unis qui risque d'en pâtir. Maintenant, vous comprenez notre problème. Le problème, c'est que vous ne comprenez rien. Il a dit à Viviane que ce n'était qu'une maquette. Elle m'a appelé, elle n'avait aucune idée de ce que c'était au juste. Elle était terrorisée. Ça ne vous semble pas bizarre? Madame Henry est fiancée avec vous.
Toutefois, quand son ex-mari l'appelle, et malgré le fait qu'elle le déteste, elle accepte d'aller livrer pour lui une machine jusqu'au Pentagone sans hésiter une seule seconde. Non. Voyez-vous, ça semble plutôt logique qu'elle avait pitié de lui, vous voyez. Il était mourant. C'était sa dernière requête. Mais jamais elle n'aurait volontairement fait courir un tel risque à son propre pays. Très émouvant, Monsieur Cooper. Mais finissons-en. Que cherche-t-elle exactement? Est-ce qu'elle est suicidaire? Vous feriez bien d'appeler ce numéro. Tony, écoutez. Le type qu'on vient d'interroger s'appelle Dean Cooper. Tom Brady de la CIA vient d'appeler. Il l'a blanchi. Les gens de Miami ont appelé l'anglais. Pourquoi ils ont fait ça? La CIA a rien à voir avec cette affaire. Laissez-moi finir. C'est à la demande de Cooper qu'ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Cooper était de la CIA. Il l'a quitté il y a 5 ans pour travailler dans la communication. Oh, il n'était pas agent, il était informaticien. Ils étaient aussi surpris que vous d'entendre parler de lui. Ce type tient à laver Vivian Henry de tout soupçon. Il demande la permission de la contacter. Je déteste ce genre de situation. Je suis déjà pas loin de croire qu'on essaie de nous manipuler et vous venez me dire que Tony Cooper était de la CIA. Mais je sais qu'ils marchent avec nous là-dessus. Ils ont confiance en lui. Ils ne savent rien sur Vivian Henry, mais Cooper devrait nous aider. Voilà, maintenant pensez-y. Faites ce que vous voulez. Ça peut peut-être servir. Pourquoi au Pentagone? Parce que le type responsable de l'abandon du projet Médusa travaille au Pentagone. Stanley Shapiro, secrétaire d'État à la Défense. Si son objectif est le Pentagone, quel est le rapport avec sa femme? Ça sert à brouiller les pistes pour qu'on croit qu'elle est sa victime. Bill, t'as un avis là-dessus? Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait campagne pour que le gouvernement soutienne le projet de son mari. Elle a harcelé le ministère, écrit des lettres... Tony, il faut que tu entendes ça. J'ai en ligne un responsable du fret aérien de Miami qui dit avoir reçu des menaces de la part de Vivian Henry. Je vous écoute. Dites-moi exactement ce que Mme Henry vous a dit. Cette bonne femme est cinglée. Au début, elle était souriante, gentille et tout à coup, elle est devenue hystérique. Que vous a-t-elle dit exactement? Ah, elle a parlé de bonnes et de mauvaises nouvelles, elle m'a dit qu'elle me ferait foutre à la porte, et ensuite, elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit, j'ai les moyens de vous faire regretter personnellement d'avoir dérouté mon chargement, comme si on l'avait fait exprès. Merci, monsieur. Nous apprécions cette information. D'accord. D'accord, désormais, on considérera que Vivian Henry est complice de son mari. Faudra être prudent. Elle pourrait se trouver dans le cockpit. Inutile de lui dire que son ex-mari est mort. Si elle panique, c'est la catastrophe. Allez-y, John. Quel est le problème? Nous avons changé de plan. Cette arme, nous la voulons. Non. C'est hors de question. Écoutez, Stan. C'est à vous que l'on doit l'abandon du projet Médusa. Vous devez revenir sur cette erreur. Si vous ne l'aviez pas rejetée... Aujourd'hui, nous n'en serions pas là. J'ai agi sur ordre du président. Bien sûr, mais depuis, on a changé de président. Et il ne partage peut-être pas la vie de son prédécesseur. Alors laissez-moi être franc. Si Rogers Henry a réussi à fabriquer l'arbre qui produit l'effet Médusa, essayons de savoir de quelle façon elle fonctionne. Mais on ne sait même pas. Et pourquoi nous devons tenter de la conserver en la désamorçant au lieu de la jeter à la mer? Vous demandez l'autorisation de jouer avec une arme thermonucléaire sur le sol américain? Et si le désamorçage est impossible? Nous avons des contingents d'experts. L'idée est de mettre une charge explosive directement sur l'arme pendant le désamorçage. Si nos experts devaient échouer, les explosifs détruiraient le détonateur. Supposons que l'horloge mente. Que l'engin saute avant l'heure. Qu'il tue des millions de personnes en Caroline du Nord et qu'il dévaste notre économie. Alors qu'on aurait pu le jeter dans l'Atlantique. Le jeu en vaut-il la chandelle? Est-ce vraiment nécessaire? Si vous aviez fait le bon choix quand il le fallait, nous n'aurions pas à prendre cette décision aujourd'hui. Qu'est-ce que vous fichez? Pourquoi on n'a aucune nouvelle de Rogers Henry? Scott, vous êtes sûr que Mme Henry n'entend pas? Oui. Qu'est-ce qui se passe en bas, bon sang? Je vais vous faire une confidence que vous ne devez en aucun cas révéler à Vivian Henry. Je vous écoute. Parfait. Rogers Henry s'est donné la mort il y a une demi-heure. Scott, il faut que je sache si vous agissez sous une quelconque contrainte. Répondez par oui ou non. Non, la réponse est non. Je n'aime pas la tournure que ça prend, Tony. Mais je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Cette femme est innocente, elle est victime de la folie criminelle de son ex. Peut-être si vous le dites, Scott. Mais qui sait si vous ne parlez pas sous la menace en ce moment? Faut vous le dire en quelle langue, Tony? D'accord, vous avez l'avantage de l'avoir sous les yeux. Mais il y a certaines choses que vous devez savoir. Par exemple, elle a volontairement fait charger cette arme à bord. Or, sachant pertinemment que son mari était fou. Pourquoi? Elle aurait pu refuser.
C'était peut-être une bête de sexe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a menacé un responsable de Fred, et c'est pour ça que vous avez fait demi-tour. Et quand vous avez dû rester en attente au-dessus de Washington, elle a insisté pour que vous atterrissiez au plus vite. Elle avait pris des dispositions, elle voulait juste... Et ça consistait à déposer cette bombe au Pentagone. Il y a autre chose. Quand ils étaient mariés, Rogers travaillait sur cette arme dans leur grange. Vous croyez vraiment qu'elle ignorait tout ce projet? Tenez, vous avez une seconde? Je vous rappelle. J'avais raison, les gars. Ils se disent la même chose que moi. Ils en ont tout l'air. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dois y réfléchir, Thierry. Il se peut que le FBI fasse fausse route. Ah, je vois, on ne pense pas comme toi, alors on a tort. Thierry, t'as un sérieux problème à gérer la pression. Non, je suis le seul de nous trois à réaliser ce qui se passe. Et le FBI, c'est... C'est vrai que t'as un problème sous la pression. Et toi, prends les commandes. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, hein? Je suis assis sur une bombe, c'est pas une bonne raison. T'es en boule depuis ce matin, depuis que nous sommes montés à bord. Alors ne me dis pas que c'est à cause de la bombe. Madame, je vous dis que mon mari est à bord de cet avion et que je veux lui parler. Désolé, toutes les communications avec ce vol sont contrôlées par le FBI. Alors passez-moi le FBI, j'ai le droit de parler à mon mari. Je regrette, madame, je ne peux donner suite à votre... Je veux parler à Jerry. Qu'est-ce qu'il peut être borné aussi quand il veut? Il fallait qu'il vole avec Scott. S'il n'avait pas rejeté l'offre d'American Airlines... Jerry n'a pas du tout rejeté cette offre, Patty. Il n'avait pas les aptitudes. Comment oses-tu dire ça? Et puis d'abord, qu'est-ce que t'en sais? Je sais que Jerry fait un formidable travail d'ingénieur. Je sais également que ce n'est pas suffisant à ton goût. Ton père était pilote et tu exiges de ton mari qu'il fasse aussi bien. Jerry veut devenir pilote. Non, chérie. Il aime beaucoup trop ce qu'il fait. S'il essaie de le devenir, c'est pour te faire plaisir. Pourtant, je ne le force pas. En es-tu sûre? Ah, voyons. Tu ne veux pas que les enfants te voient dans cet état. Il n'arrivera à rien, Nadjeri. Ils disent qu'ils contrôlent la situation. Maman, j'ai fait une chose terrible. Tu sais, Jerry et moi... Vous vous êtes disputés? C'était plus qu'une dispute. Je lui ai dit des choses affreuses. J'ai réagi très mal quand il m'a dit qu'il n'avait pas décroché cet emploi. Il a téléphoné ensuite et je n'ai pas répondu. C'est la première fois que je laisse partir sans lui avoir souhaité bon voyage. Oh, chérie, tu n'as aucune responsabilité dans ce qui leur arrive. Essaie de faire la part des choses. Il n'y a aucun rapport entre ce qui leur arrive aujourd'hui à bord et le fait que tu ne lui aies pas dit que tu l'aimais. On n'a pas ce genre de pouvoir, ma chérie. Sinon, tu penses bien qu'on ne laisserait jamais rien de mauvais se produire. Oh, ma chérie, arrête, je t'en prie. Tout ira bien, tu verras. Messieurs, alors, Stanley, on va adopter la nouvelle tactique. J'apprécie votre soutien. Je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, monsieur le président. Parfait, Jim, allons-y. Bonjour, messieurs. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Parfait. Général Alton, la tactique initiale était d'emporter la chose au-dessus de l'Atlantique et de la larguer. Oui, monsieur le président, mais laissez-moi finir. Vous voudriez me convaincre qu'il faut la désamorcer. Il nous faut cette technologie. Si cet engin venait exploser sur la base aérienne de Seymour, il tuerait près d'un millier de personnes et contaminerait une zone très vaste. Monsieur le président, cette opération ne présenterait aucun risque. Nos experts sont entraînés à faire face à ce genre de situation. Et si vraiment il s'agit de l'arme Médusa... Nous devons disposer de cette technologie. Général, vous parlez de vous emparer d'une arme. Moi, je vous parle du massacre de personnes innocentes, des hommes, des femmes et des enfants. Et du traumatisme d'une nation tout entière. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Monsieur, si Rogers Henry a pu mettre cette arme au point, soyez certain qu'il y a des scientifiques en Ukraine et dans tout le tiers-monde qui pourraient bien y parvenir à leur tour. C'est donc en connaissance de cause que nous mettrions en péril l'avenir de notre pays et du monde civilisé en ne saisissant pas cette opportunité. D'accord, vous m'avez partiellement convaincu. Mais je veux pouvoir revenir à l'option initiale.
Je veux qu'un C-141 soit sur place, prêt à décoller de Seymour. Si vous n'arrivez pas à désamorcer cette chose, vous l'emporterez et la larguerez au large comme prévu. Nous faisons venir un C-141 de Charleston tout de suite, monsieur. Stanley, nous avons déjà eu affaire à ce Roger Henry, n'est-ce pas? En effet, oui, il a dirigé le projet Médusa à Los Alamos. Le président de l'époque avait décidé d'abandonner ce projet. Rétrospectivement, je dirais que c'était un mauvais choix. Oui, eh bien, il arrive à tout le monde de faire de mauvais choix, Stan. Écoutez-moi, John. Lors des opérations de désamorçage de cette arme, vous ne devez prendre aucun risque. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Très bien. Bonne chance, messieurs. Vous avez des couvertures? La pauvre Viviane a froid là-bas. Vous croyez? Quoi, qu'elle ait froid ou qu'elle soit une pauvre passagère? Est-ce que vous doutez d'elle? Le FBI la soupçonne. Ça semble logique. Ils ne voient pas ce qui se passe. Ce sont des bureaucrates. Quel motif avez-vous? Écoutez, je la crois innocente. Mais Tony m'a dit des choses troublantes. Je veux dire, elle vivait avec ce cinglé et elle n'aurait jamais remarqué qu'il fabriquait une bombe. Qu'est-ce que j'en sais? Voilà, c'est ça l'ennui. Vous savez, ça me dégoûte de parler à des gars comme vous. Comme pilote, vous avez l'air plutôt doué. Mais dès qu'un imbécile du FBI vous met une idée dans la tête... Les gars comme moi. Si j'avais osé vous dire, les filles comme vous me dégoûtent, vous auriez porté plainte sur l'heure. Vous ne me connaissez pas. Pour savoir ce que je pense, contentez-vous de m'écouter. Attendez une minute, je demande pardon. J'ai une fâcheuse tendance à pousser les gens à bout. Mais vous insinuez que... Je n'insinue rien du tout. Je dis juste que... J'essaie de nous sortir de cette galère. Je sais. Et vous n'avez vraiment pas besoin de mes remarques. C'est la dernière fois qu'il y a un malentendu entre nous. Ça, j'en doute. Hé, hey, t'es cinglé! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tony Di Stefano, s'il vous plaît. C'est Jerry Cornell, du Scotter 50. Oui, Jerry. Tony, il faut que je parle à ma femme. C'est impossible, Jerry. On est en situation de crise ici. Je comprends, monsieur. Si vous avez un message pour elle, je la contacterai personnellement. C'est à peu près tout ce que je peux faire. D'accord, elle est chez sa mère à Baltimore. Le numéro on est... On le connaît. Oui. Oh, dites-lui d'emmener les gosses. Et sa mère chez mes parents, d'accord? Qu'elle quitte la côte est. Entendu, Jerry. Oui, comptez sur moi. Autre chose? Oui. Je l'aime. Dites-le lui pour moi, d'accord? D'accord, Jerry. On s'est disputé. Ouf, tant qu'on se dispute, c'est qu'on n'est pas seul. Moi aussi, j'aimerais bien me disputer de temps en temps. Ça ne répond pas chez Patty Cornell, ni chez sa mère. Un appel, ligne 6. Branchez-le au parleur. Di Stefano? Je suis Clarence Barker. J'ai travaillé avec... C'est qui vous êtes, Dr. Barker? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, je me demandais si moi, je ne pouvais pas vous aider. Roger Henry a confiance en moi. Je peux l'appeler pour vous, il me parlera peut-être. Dr. Barker? Roger Henry est mort. Il... Oh, Seigneur. À vrai dire, j'allais justement vous appeler. Vous pouvez peut-être nous donner des notes sur Los Alamos. Sur vos travaux concernant ce projet. Tout ce qui nous aiderait à désamorcer cette machine. Oui, enfin, je vais voir si j'ai des archives. Merci. Quand on aura atterri, tâchez de vous en sortir. On va tous s'en sortir. Vous ne croyez pas? Je connais Rogers. Je sais comment tout ça va finir. Et j'en suis responsable. C'est moi qui l'ai fait charger. Et vous avez participé à sa fabrication? Saviez-vous ce que c'était en l'apportant à bord?
Pourquoi vous sentez-vous responsable alors? Parce que j'aurais dû savoir. Le FBI croit que je suis mêlée à tout ça. Oui, je les comprends. Ils ont trouvé Rogers. Il était trop tard. Il est mort, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu le contacter. Quand le FBI était sur le point de l'avoir, il s'est donné la mort. J'ai longtemps souhaité sa mort, vous savez. Il est mort, et regardez. Il est toujours là. Si Rogers a décidé qu'on ne l'arrêterait pas, c'est peine perdue. Il a toujours été le plus fort, en informatique comme dans la vie. Sans ses renseignements, ils n'arriveront pas à la désamorcer. Oui, il nous faut une confirmation. Je comprends, on va essayer de nous demander de nous rappeler. Quel conseil donneriez-vous à la population? Si nous devons subir un véritable effet Médusa sur le continent, il y a bien peu de choses à faire en si peu de temps. L'effet Médusa fera fondre le silicone présent dans les ordinateurs. Mais les ordinateurs, c'est la base de notre économie. Exactement. Vous êtes sûr? Oui, entendu. Merci beaucoup. Les banques et Wall Street mettent leur matériel dans des coffres blindés. Ah ouais? C'est le moment de vider son compte? Pour moi, c'est fait depuis longtemps. Oui, Sally? Ils ferment les routes, tu en es sûr? Les ponts, les grands axes? Attendez! Le président va s'adresser à la nation dans 6 minutes. Cinq, quatre, trois, deux... Le direct de l'ambassade! Chers compatriotes, c'est de l'ambassade américaine à Londres que je m'adresse à vous aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, je présume que la nation entière connaît la situation à bord du Scotair 50. Succinctement, un appareil nucléaire suspect et selon toute vraisemblance capable de produire à l'échelle du continent une onde électromagnétique puissante est en ce moment même dans la soute d'un avion qui survole la côte est des États-Unis. Mes fonctions de président m'ont amené à diverses occasions à m'adresser à vous directement, avec peut-être un peu de candeur, sur certains sujets propres à révéler le caractère ou la force morale de notre grande nation. Et vous avez toujours répondu présent à chacun de ces défis. Mais aujourd'hui, c'est à un défi très particulier que nous devons faire face. Je ne prétends pas que la situation ne soit pas grave, parce que le danger est réel. Mais je tiens à vous assurer que nous l'abordons avec intelligence, avec compassion et avec courage. En tant que président, la première de mes préoccupations est la sécurité de notre nation et de chaque individu qui la compose. À cet égard, je tiens à assurer à tous les Américains et à toutes les nations amies et voisines du continent américain, ainsi qu'à tous nos alliés à travers le monde, que malgré les circonstances, nous contrôlons la situation. Nous avons pris de nombreuses précautions, mais ce ne sont bien sûr que des précautions. Et nous avons bon espoir de parvenir à désamorcer cet engin, s'il devait présenter un réel danger. En conclusion, je recommande à chacun de vous de rester calme et aussi de prier pour tous ceux, hommes et femmes, qui travaillent en ce moment afin de résoudre cette crise. Merci. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qu'il protège l'Amérique. Mon nom est Patty Cornell. Mon époux est dans cet avion et je veux lui parler. Félicitations, monsieur. Merci, Jim. J'ai parlé à la première dame, mais elle vous envoie son amour et prie pour vous, mais elle refuse d'évacuer. Elle craint, en quittant la Maison Blanche, de créer la panique. Je savais qu'elle dirait ça. Où en sont les évacuations navales? L'Atlantique sera bientôt vide de tout navire et de tout sous-marin. Tout le monde coopère dans l'efficacité. Scott! L'ordinateur nous envoie de nouveaux messages. Quoi? À présent, les militaires ont élaboré un plan pour remplacer cet
d'engin et le désactiver. J'ai anticipé leur réaction et j'ai doté cette invention géniale d'un détecteur de mouvement. Je l'ai déjà dit et je le répète, Médusa n'est pas une arme conventionnelle. Toute tentative pour la déplacer, faire exploser son détonateur ou la briser aurait pour seule des tragiques conséquences de la faire immédiatement exploser. Il dit que ça détecte le mouvement, mais on est allé dans toutes les directions et il se croit au Patagone. Est-ce qu'il faut en conclure ? Qu'on pourrait probablement l'acheter par la fenêtre ou dans les escaliers sans qu'elle sente la différence. Il vous reste tout juste 1h59 pour évacuer le quartier du Patagone et Washington tout entier. Vu que Rogers ne bluffait jamais, je veux bien vous croire, mais son invention n'a pas l'air au point. Si elle fonctionne mal, on va le savoir. Non, Vivian. Le détecteur de pacemaker fonctionne peut-être très bien. Essayons. Est-ce que tu es sûr de toi? Tes calculs sont bons? Tu ne me détectes pas? Cherche-moi. C'est que tu bluffes tout ça, espèce de salaud! A désobéi à mes ordres en s'éloignant de Médusa de plus de 4 mètres. Pour éviter que l'explosion soit immédiate, elle doit en personne toucher cet ordinateur dans les 15 prochaines secondes. Aura donc lieu dans tout juste 30 secondes. Tu as fait une énorme bêtise. 30 secondes. 29, 28, 27, 26, 25 secondes, 24, 23, 22 secondes, 20. C'est ça, Rogers, non. 20 secondes, 19, 18, Viviane. 7. Qu'est-ce qui se passe là-bas? 15 secondes, 14, 13, 12. Ne touchez pas ça! C'est du plan! Il ne va pas le faire, calmez-vous! Il veut juste nous faire peur, c'est du plan! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boum. Vous aviez raison. Je commence à le connaître un petit peu. Est-ce que ça va? Oui. Il a envie de me torturer, mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas sérieux. Cette chose n'est pas du bluff. Tony, écoutez, les méthodes militaires pour tenter de désamorcer cette bombe ne fonctionneront pas. Ce n'est pas une arme comme les autres. On ne devrait pas parler de ça. Sur cette ligne, Scott, elle est loin d'être sûre. Désolé, on n'a pas le choix. On vient d'avoir un message de cette chose qui dit que... qu'elle est équipée d'un détonateur spécial. Et que toute tentative de destruction déclencherait immédiatement la réaction nucléaire. Vous devez leur dire de trouver une autre solution. C'est en place. Le président a ordonné qu'un C-141 se tienne prêt à emporter l'engin si leurs efforts échouent. Tony, non, écoutez-moi, ils ne doivent rien tenter pour désamorcer cette arme. Viviane pense que cet homme est parfaitement capable de créer un détonateur spécial. Alors je veux l'assurance, quel que soit le responsable de ces mots, que personne ne s'amusera avec cette bombe. Ça provoquera un désastre dépassant l'imagination. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Scott, je vais m'assurer en personne que le commandant ait connaissance de ces nouvelles données. Vous avez ma parole. Contentez-vous d'atterrir. Alors écoutez, dès qu'on aura touché le sol, je veux que le docteur McCoy et mes deux officiers soient emmenés loin de cet avion. Je resterai à bord jusqu'à ce que Viviane Henry retrouve sa liberté de mouvement. Je comprends. Vous dites que Viviane Henry est toujours à l'arrière de l'appareil. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui vous dirige? Tony, ça suffit. Je croyais que cette question était close.
Scott, avion de chasse à 9h. Waouh. Vous nous avez envoyé une escorte? Absolument pas. J'ai deux avions de combat sur mon aile gauche. Qui a ma note là-dessus? C'est un ordre de l'armée. Ils veulent vérifier leur position dans l'avion. Scott, désolé. C'est un peu la panique ici. On a bien une note à ce sujet. Ils ont décollé de la base de Shaw Air Force pour vous escorter et vous assister. On s'en fout de cette escorte! On veut des informations! C'est ma faute, j'aurais dû vous le dire, j'ai dû manquer de vigilance. Ouais, c'est ça. Scott? Et voilà, il a raccroché. Maintenant, il est persuadé que je lui mens. T'as vu ces chasseurs, s'ils sont beaux? Si ça se trouve, c'est des faux. Ils sont bien réels. J'ai lu le rapport des deux chasseurs. Ils voient trois hommes dans le cockpit. Aucune femme n'est visible. Je me demandais quand vous céderiez à la panique. Tout le monde a eu sa crise. Je pensais à mon père, c'est tout. Une raison particulière? Il est tombé malade, j'avais 10 ans. Tous les jours, je lui faisais la lecture. Je lisais le journal ou mes livres de science. Un jour, je me suis mise à lire comme d'habitude, mais j'ai senti que je l'embêtais. Il n'avait rien dit, j'avais deviné. Ça m'avait choquée parce que je croyais que je lisais pas assez bien ou qu'il en avait marre de moi. Ce n'était pas ça. Non. En fait, ma mère m'a expliqué. Il devait bientôt rencontrer Dieu. Pour s'y préparer, il faut être seul. La mort, c'est dire adieu à toutes les choses qu'on a aimées. Je l'avais oublié, je crois. Non, Linda. Il est inutile de se préparer à mourir. On va s'en sortir, c'est la seule solution. Tous ensemble. Je viens d'avoir le FBI, ils ont mis au point un appareil qui vous libérera de cette chose. Ça reproduira la fréquence de votre pacemaker et les capteurs de Médusa n'y verront du feu. Après l'atterrissage, je resterai avec vous le temps qu'ils le placent. Et on pourra descendre. Ce n'est pas le plus gros problème. Ils ne doivent pas toucher cette bombe. Ils n'en feront rien. Et on sera là pour les surveiller si nécessaire. Et j'ajoute que j'invite les deux femmes les plus courageuses que je connaisse à dîner ce soir dans le meilleur restaurant de la région. En attendant, accrochez-vous. Nous allons atterrir. Il est gentil. J'avais pas remarqué. 2886. Il neutralise le trafic aérien sur tout le pays par précaution. Les échanges radio se font assez rares. Scott Air 50. Oui, Scott. Vous pouvez me passer Jerry, s'il vous plaît. Jerry. Allô? Jerry? Nous allons écouter votre conversation. Et nous nous réservons le droit de l'interrompre si nous le jugeons nécessaire. Alors, soyez prudents. D'accord. Jerry. Patty. Et qu'est-ce que tu fais à Washington? Je voulais que toi et les gosses... Oh, j'ai envoyé maman et les enfants chez Tom Jesse. Mais il fallait que je vienne, j'avais pas de nouvelles. Jerry. Ça va aller. Ça va aller, chérie. C'est vrai ce qu'il raconte? À la télévision, est-ce que cette chose est à bord? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte encore cela? Des tas de choses. Que vous avez à bord une sorte de bombe qui a des effets sur l'électronique et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est sans doute qu'un canular. Écoute, chérie, on est sur le point d'atterrir. Je peux pas te dire où. Mais c'est sans danger, je te le promets. Les enfants et toi n'avez rien à craindre. Oui, mais mon amour et toi? Tout va bien. Ça va et on sera bientôt à des kilomètres de là, sains et saufs. Je dois retourner auprès de Scott et de Doc. Jerry! Je suis désolée. J'ai eu tort. Je sais. Je sais. Je t'aime, mon amour.
Oui, moi aussi, je... Au revoir. Bien, tout le monde au sol est au courant de ce qui se passe. J'ignore comment. Faut qu'il me briefe, j'ai pas tous les détails. Le voilà, mon général. Excusez-nous, Major. Désolé, Général Walsh. On envahit votre base? Aucun problème. Aux dernières nouvelles, l'avion serait... On approche, Général. Il sera là dans 10 minutes. Et la situation à bord? Le terroriste est une femme, américaine. Viviane Henry. Le FBI pense pouvoir l'arrêter sans le moindre incident. L'usage de la force est autorisé. Quel est votre plan pour la séparer de cette bombe? Analyser et reproduire le signal radio de son pacemaker. Dès que ce sera fait, on s'occupera de la bombe. Colonel, on m'a dit qu'un C-141 était parti de Charleston. Il n'est toujours pas là. J'ai reçu ordre de garder le C-141 en vol d'attente au-dessus de Charleston. Et pourquoi? Je croyais que l'évacuation de l'engin relevait d'un ordre présidentiel au cas où vous manqueriez de temps. Mes ordres, général, sont de désactiver et de préserver cette bombe. Oh, voyons. Vous et moi, on fait équipe. Nous avons des ordres du Pentagone. Je reçois mes ordres du président des États-Unis. Je ne suis pas responsable du bavardage des politiciens de Washington. Pour cette mission, mon supérieur est le général Billings de l'Air Force. Et mes ordres sont très clairs. La bombe doit rester sur cette base. On a perdu face au Pentagone. Le colonel Spencer est aux commandes. Je le connais. Il est comment ? Avec ce mec-là, on est probablement foutus. Scott, je cède la place à la base de Seymour. Le Pentagone a choisi le colonel Spencer pour cette mission. Toutes vos préoccupations lui ont été confiées. Ils sont comment, ces types? Ils sont... militaires. Entendu. Bonne chance, Scott. Moi, je vais rester à l'écoute. Ici le commandant du Scotter 50. J'ai besoin de parler au responsable de la mission. Colonel Spencer, je vous écoute. Colonel. Est-ce que le FBI vous a fait part de mon inquiétude à propos de cette arme? Il l'en fait, commandant. Nous contrôlons la situation. Est-ce qu'ils vous ont dit aussi que cet appareil n'a rien de commun avec une arme conventionnelle en matière de désactivation? Nous avons plusieurs experts en nucléaire ici, commandant. Ils savent ce qu'ils font. Colonel, je veux que vous m'assuriez personnellement qu'aucune tentative ne sera faite pour désactiver ou pour désamorcer cette bombe. Si vous refusez, j'annule l'atterrissage. Vous avez ma parole, commandant. On a un C-141 paré à décoller pour aller larguer cette bombe loin d'ici. Bien sûr. Toucherons bientôt la piste. C'est bon, les gars. On y va. Tu le prends, ce type? Non. Eh bien, allons-y. Train d'atterrissage. On a dû endommager le train arrière, un Pax. Quels sont les risques? Atterrissage catastrophique. Équilibrage délicat. Et c'est peut-être rien, simplement un faux contact. On va tenter notre chance. Je vais favoriser le côté droit. Préparez-vous au pire. Approchez-vous, ça va être mouvementé. Roue droite posée. Au gauche posé. Ça y est.
de contrôle, ici Scotter 50. Je reste là quelques minutes, le temps de tirer quelque chose au clair. Dites-le à Follow Me. Je veux parler au colonel Spencer. Colonel Spencer, j'écoute. Colonel, où devons-nous garer l'appareil au juste? Scotter, il y a une place prête à vous recevoir sur la zone ouest. Ouais, je m'en doutais. Colonel, si vous nous garez sur cette zone, c'est que vous comptez désamorcer la bombe. Allons-y, commandant, il n'y a pas de temps à perdre. Vous m'avez assuré qu'en aucun cas vous ne tenteriez de désamorcer cette bombe. Au contraire, je vous ai dit que c'était notre priorité. Vous vous fichez de moi? Vous avez dit que vous ne tenteriez pas de la désamorcer. Cela nous regarde, Scotter, pas vous. Et où est le C-141? Je ne le vois nulle part. Il approche. Il sera là dans quelques minutes. Vous m'aviez dit qu'il était déjà là, prêt à repartir. Navré, Scotter, j'ai dû parler un peu vite, c'est ma faute. Maintenant, veuillez suivre l'agent de piste, qu'on en finisse. Scotty. Commandant, je suis sûr qu'il est inutile de vous rappeler que votre appareil et toutes les personnes à son bord sont sous la juridiction du gouvernement fédéral. Vous allez suivre mes instructions et qui plus est, immédiatement. T'en prie, Scotty. Ce type est inconscient. On est fichu s'ils ne nous ont pas écoutés. T'en doutes ? Commandant. D'après mes renseignements, Viviane Henry n'est pas dans le cockpit. Si ce n'est pas le cas, allumez vos feux avant. Non, elle n'est pas dans le cockpit et elle n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont convaincus que Viviane est une terroriste. Quand l'avion sera carré, ouvrez votre porte avant gauche. Une équipe montera à bord et se chargera d'elle. Non, colonel. Tant que les issues sont fermées et que les moteurs tournent, je regrette... C'est moi qui commande à bord. Coincez-le! Je vous ordonne de vous garer sans attendre. Dirigez-vous vers la zone ouest. Et moi, je vous demande de rappeler vos véhicules immédiatement. Colonel, il va foutre le camp dès qu'il pourra. Où voulez-vous qu'il aille, général? Vous avez entendu? Ils nous promettent tout ce qu'on veut et dès qu'on sera garé, ils mettront Viviane sous les verrous. Et ils vont plonger le nez dans cette chose pour tenter de la désactiver. Je veux sortir, Scott. Jerry, nous le voulons tous. Mais on... Non, doit... il n'y a pas de mais, Scott. Tous les experts savent ce qu'ils font. Je leur fais confiance, moi je veux sortir. Après ce qu'on vient d'entendre? T'as une meilleure idée, Scotty. Toutes les idées sont bonnes pourvu qu'on les empêche de s'amuser avec ça. Tu ne vois pas ce qu'ils veulent faire, c'est de la folie. Ce qu'ils veulent, c'est l'étudier et en fabriquer plein d'autres. Et tout ce qu'on va gagner dans l'affaire, c'est de mourir par millions. On sera déjà très loin, Scotty. De combien, Jerry? De 10 mètres, 10 kilomètres, une centaine? Tu ne vois pas que si cet engin explose, ça ne fera aucune différence? On perd du temps, commandant. Si vous refusez d'obéir, vous serez tous poursuivis pour trahison, complicité de trahison, crime contre la nation, détournement d'avion et terrorisme. Obtempérez tout de suite si vous ne voulez pas terminer votre vie derrière des barreaux. C'est complètement fou. Ils vont causer un désastre nucléaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Viviane, ils veulent désactiver la bombe. Il n'y a pas d'alternative. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. D'accord. Ailleurs qu'ici, loin de leur pression, parce que les risques sont trop grands. D'accord. Écoutez, on va sortir l'escalier. Vous, Jerry et Doc, allez descendre. Et moi, j'emmène l'avion sur une autre base. Attends, Scott, moi je reste avec toi. Jerry, tu n'as qu'à descendre avec Linda. Personne ne descend. C'est beaucoup trop risqué. Allons-nous-en tous ensemble. Jerry, c'est la seule solution. Il faut qu'on les empêche de faire une grave erreur. Alors, assez discuté, faisons-le.
avant que je change d'avis. Tour de contrôle. Nous allons remonter la piste afin de pouvoir nous garer. Faites dégager le terrain et dites à votre follow me qu'on le rejoint à l'embranchement. C'était chaud. Ouais. Repliez nos unités. Confusion. Il leur faudra quelques minutes pour réagir. Déblocage des freins. Déblocage des freins. C'est trop facile. Scott, je sais à quoi vous pensez. Laissez-nous le temps de régler ça. Ouais. Vous avez fait le maximum, Tony. Et les types qui nous suivent? Ils sont bronzés. Scotter! Abandonnez le décollage immédiatement! Jamais! V1. VR. Paré à décoller. Mettez-vous en position de tir! On ouvre le feu, colonel! Non! Ne tirez pas! On n'a pas le droit de tirer sur cet avion! Au compte à rebours, il reste 1h22. Non, monsieur, tous les programmes initialement prévus. J'ai pigé, merci. Le pilote du Boeing 737 vient de détourner son propre avion. Quelles sont vos sources? Un pote que j'ai à Seymour. Les militaires sont sur les dents. Ils ont perdu le contact avec lui. Comment cela a-t-il pu se produire? Le colonel Spencer est arrivé comme un chien enragé, déclarant son intention d'arrêter Madame Henry et toutes les personnes à bord. Il a méprisé les mises en garde du pilote au sujet de la bombe, et pour couronner tout, il lui a menti à propos du C-141. Je vous écoute. Le colonel Spencer a donné l'ordre de rester en altitude. Et quand le pilote a vu que le C-141 n'était pas au sol, il a redécollé. C'est ce qu'il a fait. On a eu un appel du général Walsh qui commande Seymour. Il était très en colère. Il était en colère? Oui, monsieur. Et il voulait que vous sachiez que le colonel n'avait pas l'intention d'avoir recours à l'option du C-141 malgré vos ordres. Ils n'obéissent plus, monsieur le président. Ils cherchent à nous manipuler. Entendu, messieurs. Je vais être très franc et direct. Vous allez vivre votre pire cauchemar et moi, je vais vivre le mien. Pour commencer, j'ordonne dès à présent, en ma qualité de chef des armées, que le colonel Spencer soit relevé de ses fonctions et traduit en cour martiale immédiatement. Ensuite, j'exige la démission de chacun des officiers qui, tout au long de l'échelle hiérarchique, a désobéi à mes ordres concernant le C-141. Et pour finir, général Alton, je vous accuse d'être une honte pour votre pays, que vous ayez vous-même donné cet ordre ou que vous ayez autorisé un subalterne à le faire. Vous êtes le grand responsable. En conséquence, vous êtes relevé de vos fonctions à compter de cette minute, et je vous ferai traduire personnellement en cour martiale pour insubordination. Rompez, général. Sont la propriété du gouvernement des États-Unis d'Amérique que vous n'avez plus l'honneur de servir.
Et maintenant, quelles sont les options qui nous restent? Nous essayons de joindre le 737, mais il refuse de répondre. Nous pensons qu'il évolue à une faible altitude, et avant qu'on ne perde sa trace, il faisait route à l'est vers l'Atlantique. Le patrouilleur Eisenhower est aussi dans cette zone et essaie également de le contacter. Il va tenter de larguer la bombe? Non, monsieur. Le 737 a une porte latérale et il est pratiquement impossible de l'ouvrir en vol. Ce qui revient à dire qu'ils ont très peu de chances de pouvoir larguer leur charge. Où vont-ils alors? Ils vont mourir, monsieur. Je parie que les chasseurs vont pas tarder à se pointer. Ce sera un peu tard. Jerry, viens par là. Écoute, tu ne tiens pas vraiment à rester avec nous. Trouve-moi une piste près de la côte et on se posera le temps que Linda et toi sont-ils ici. Non, attends, et toi, et Doc? Eh bien, ça dépendra de toi. Si tu trouves un moyen de transformer cette issue pour qu'elle s'ouvre en vol, cette saloperie, on l'alarme. Tu veux bien essayer? Aucune pression. Monsieur Di Stefano, oui, écoutez bien. J'ai là des lettres de Rogers qui traitent, bien sûr, principalement de son problème avec Viviane, mais dans peu d'entre elles, il traite de l'explosion instantanée. J'écoute, docteur. Il a conçu ce système et il l'a fabriqué. Oui, c'est une protection contre tous les amorçages. Toute tentative provoque une réaction sur la masse. Les militaires ne pourront pas désactiver cet engin sans qu'il explose. Écoutez, il faut avertir le président avant que les cow-boys n'agissent. Scott avait raison. Donna, viens avec moi. Ça va aller. On va trouver un terrain assez grand pour atterrir. Et Jerry et vous pourrez descendre. Et pour vous, Doc et Viviane? On aura une petite chance, je pense, d'en sortir avec. Une petite chance? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, voilà notre plan. Doc prend la place du pilote. On trouve une façon d'ouvrir l'issue latérale et on laisse tomber ce truc dans l'océan. Et il y a le problème du pacemaker? Vous n'avez qu'à me le retirer. Quoi? J'y ai bien réfléchi. C'est faisable. C'est hors de question. Mais pourquoi? Regardez. Vous le sentez, c'est ça le pacemaker. Il est implanté juste sous ma peau, Linda. Il y a une trousse de secours à bord. C'est une petite intervention. Je ne suis absolument pas chirurgien. Viviane, on ne peut pas vous retirer ce pacemaker. Si vous l'avez, c'est qu'il vous est nécessaire. Si, on peut le faire. Non, je regrette. Il sert à réguler mon rythme cardiaque si j'ai un petit ennui. Je peux vivre sans. On va tâcher de trouver une autre solution. Parfait. Mais en attendant, il s'agit simplement de pratiquer une légère incision. De sortir doucement le pacemaker et de déconnecter le fil. La vue du sang vous fait peur? Non. Si. Faudra faire un effort. Je n'appellerai pas Viviane tant que vous ne m'assurerez pas qu'elle ne sera plus accusée de ce crime. Vous savez que c'est impossible. Votre refus pourrait bien être considéré comme un acte criminel. Et vous allez faire quoi? Vous allez me faire enfermer? Écoutez, si cette chose explose et que le gouvernement ose l'accuser du pire attentat de l'histoire de l'humanité, alors d'accord, je veux bien qu'on me mette en prison. Vous me tenez pour responsable de tout ça. Non, c'est faux. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Ce serait plus facile si je vous en voulais. Le numéro de ton compte en banque. Internet.
Oui, oui. Peut-être. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Voilà, écoute. Normalement, l'ouverture électrique ne peut se faire qu'une fois au sol. En altitude, le mécanisme peut aussi fonctionner. Seulement, il faut une dérivation électrique pour déclencher les pompes et les moteurs. On ignore ce relais et on déclenche l'ouverture en court-circuitant ça. Et il faudra voler à quelle vitesse? C'est le problème. Il faut qu'on aille suffisamment vite pour que la porte soit arrachée. Mais si on va trop vite, l'entrée d'air risque d'emporter aussi le fuselage. Thierry, c'est génial. Tu parles, rien n'est fait encore. Non, mais tout est là et c'est génial. Tu sais que je voudrais qu'on se pose. Mais tout seul, vous n'avez aucune chance. Il faut que Doc soit en manette et que nous deux, on pousse ce truc dehors. Oui, mets toujours les câbles en place, d'accord? Et on verra ce qui se passe après. Non, je sais très bien à quoi tu penses. Si on atterrit, ils vous empêcheront de redécoller. Alors, faut que je reste. Scott! L'examen de pilote, j'ai raté. T'es peut-être pas un pilote, Jerry. Mais t'es un sacré ingénieur. Le meilleur. Vous avez 15 minutes pour établir un contact radio. Ensuite, il n'y aura plus rien que nous puissions faire. Dès ce moment-là, vous avez ordre de veiller à ce que le 737 ne revienne pas. Bien reçu. Je te connais bien, aussi bien que tu me connais. Tu t'es protégé derrière un code. Je me souviens que tu disais que jamais personne n'osait utiliser le numéro 1. Trop simple pour toi. Tu as deviné le code. Tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air. Félicitations. Dommage. Cet éclair d'intelligence ne sauvera aucune vie, ni celle des autres, ni la tienne. Rendez-vous en enfer, Viviane. Allez chercher la trousse de secours. Connectez-moi à Scotter. D'accord. Qu'est-ce que je disais? Regarde, le pilote nous fait signe. Ici Scotter 50, est-ce que vous me recevez? Ici Sharp 5, je vous reçois 5 sur 5. Vous avez ordre de nous ramener ou de nous abattre, c'est ça? Négatif, nous n'avons pas ordre de vous ramener. Il ne reste plus assez de temps pour ça. Nous ne sommes pas là pour intervenir. S'il y avait quoi que ce soit, c'est un peu déplacé, monsieur, mais si on peut vous être utile. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer. Commandant, j'ai un relais radio sur cette fréquence. Allez-y. Scotter, ici le président, je vous appelle de Londres, vous me recevez. Est-ce que j'ai gagné la Coupe du Monde, monsieur? Écoutez, Scott. Je ne veux pas gaspiller votre temps, mais je veux que vous sachiez que nous avons à présent la confirmation du fait que si nos experts avaient tenté de désamorcer la bombe au sol, il y aurait bien eu une explosion atomique. Merci de me l'avoir dit, monsieur. Nous avons fait une terrible erreur et nous vous avons laissé seul. J'en prends l'entière responsabilité. Je suis absolument navré. Est-ce
Est-ce que je peux savoir quelles sont vos intentions? Eh bien, nous allons essayer d'ouvrir une porte et de balancer l'objet aussi loin qu'on pourra. Et si vous ne pouvez pas ouvrir cette porte, avez-vous des parachutes? Négatif, monsieur, mais nous allons ouvrir cette porte. J'aime cet esprit, Scott. Je voudrais que vous sachiez que chacun de nous ici prie pour chacun de vous, là-haut. Alors il faut y inclure Vivian Henry. Elle n'avait rien à voir avec ça. Je comprends, Scott. Bonne chance et merci. Que Dieu vous garde. Merci, monsieur. Allez, on ferme la descente. Il faut jeter cette chose. On descend jusqu'à 10 000 pieds. Arrêt ! Accrochez-vous solidement ! Ça va bientôt secouer ! 1500 pieds ! On y est presque ! Tout ce que je veux savoir, c'est si Vivian reviendra saine et sauve. Dean, je viens d'apprendre qu'il est trop tard pour que l'avion fasse demi-tour. Nous ne pouvons plus intervenir à présent. Je suis navré, Dean. Vivian ? Dean ? Vivian ? Oh mon Dieu ! Non. Je vais bien. J'avais envie d'entendre ta voix. Tu avais raison à propos de Rogers. J'aurais tellement voulu avoir tort. Il ne va pas gagner cette fois. Dean. Dean, je t'aime. Moi aussi, mon amour. On en est où? On est dépressurisé, allez-y! T'es prêt? Allez, bon sang, ouvre-toi! C'est sûrement un faux contact! Tu vas voir, ça va marcher! Je t'en prie, Jerry! Allez, viens!
J'y vais. Connectez le fil. Vous ne tirez pas dessus. L'autre côté est relié à mon cœur. Ça y est, je l'ai. Je tiens. Présent, rentrer les fils dans l'incision. D'accord. Voilà.
d'ici avant que cette salle explose. Merci. On vient larguer avant l'explosion. Dieu soit loué. Comment ont-ils pu y arriver? La détermination. Ça n'est pas encore fini. Ça pourrait sauter sous l'eau. C'est exact, nous serons fixés dans 9 minutes. La morphine le soulage. Ses blessures sont importantes. L'aile droite me paraît lourde. On a une fuite de carburant. On a dû endommager l'aile dans la manœuvre. Je transfère ce qui reste dans le réservoir de droite. 0 à gauche, 2000 à droite. Je peux savoir de quoi vous parlez? De nos réserves de carburant. On a besoin de quoi? Eh ben, on en a 2000. Il nous en faudrait 5000. Ce n'est pas assez pour rentrer. Ça signifie que nous sommes en perdition. Allez chercher les gilets de sauvetage sous les sièges. Réveillez-vous! Mayday, 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 ici Scotter 50 en situation de perdition. Mayday, Mayday! Issue latérale, il faudrait un miracle pour qu'un seul d'entre eux en réchappe. Cinq minutes avant la détonation. On manque de carburant, on n'a pas de canot de sauvetage et on a un trou de la taille de la ville de Houston. T'as pas un meilleur plan, Scott? Non, cette fois, il n'y a aucune alternative. Sauter, c'est faisable? Pas sans parachute. À cette vitesse, l'eau est dure comme du béton. Y'a pas de parachute? Linda. Sur un coucou comme celui-ci, les issues sont verrouillées en vol. À quoi bon les parachutes? J'ai tout essayé. Les gouvernes sont bloquées. Fais voir. C'est mécanique. Moi, je dirais plutôt hydraulique. Bien vu, Capitaine Kirk. Vous avez bien fait d'emporter mon chargement dans votre appareil. J'ai des parachutes, un canot de sauvetage, un émetteur radio et des balises de détresse. C'était censé nous servir en Antarctique, mais on n'en a pas eu besoin. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, je me le demande. Mais il y en a que 4, c'est affreux. Non, il n'y a pas de problème. On peut s'en sortir, en particulier au-dessus de l'eau. Je vais attacher Jerry à moi. Quelle altitude? Au moins 2000 pieds. Allez, enfilez votre attirail et aidez Viviane à mettre le sien. J'y vais. 50 secondes avant la détonation. Thank you.
Seigneur, elle a explosé. L'incinérateur s'en moque. La batterie faiblit aussi. Les alarmes clignotent partout. J'arrive pas à réactiver le générateur. J'ouvre le panneau électrique. C'est truffé de court-circuit. J'ai réussi à orienter les bouvères. L'avion devrait pouvoir voler seul pendant un certain temps. Il n'y a plus rien à faire. D'accord. Préparons-nous. Il va falloir sauter. Ça sent brûlé, donc. Quoi? Je dis que ça sent brûlé. Incendie à bord. Les lames de turbine, elles ont dû perforer le fuselage quand le moteur est tombé en panne. On a encore un extincteur. Trop tard. On n'a plus le temps. Il faut qu'on saute. Ensuite, la tenue et aide-moi pour Thierry. Vous avez des points de secours? Qu'on étudie. Oui, vous étiez protégés. Nous aussi. Allez, on va sauter tous ensemble, d'accord? Approchez-vous du bord. Vous devez tirer sur cet anneau. Mettez la main droite dessus. Scott, le feu s'étend. On saute et vous attendez bien 5 secondes. 5 secondes et vous tirez, d'accord? Allez, on a plus le choix, il faut qu'on saute. Ça va aller. On vient de recevoir des bribes de messages du patrouilleur Eisenhower. Le 737 a explosé il y a 40 minutes. Ont-ils une chance d'être en vie? Aucune, Tony.
été forte. On a tous été, Scott. Soigne-toi bien, Jerry. Encore merci, les gars. Scott! Tony DiStefano, du FBI. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je voulais voir à quoi ressemble un héros. Félicitations, Scott. À vous aussi, mon vieux. Vous êtes un sacré pilote. Belle artiste. Vous me devez un dîner. Rien. Jerry, viens voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse? Le FBI a dit qu'on pouvait garder tout ce qu'on voulait. Tu veux que je te dise? Je n'ai qu'une envie, c'est que ce mot disparaisse à jamais. Moi aussi.